Paramètres. Il y a plein de paramètres. Alors, langue français, format d'heure 24 heures, système métrique simple, analyse des indications en ligne automatique activée, en tête 100%. Oups, se détache, activé, excel activé, activé, version du jeu, activé, courir, ok. S'accroupir, utiliser activé l'accroupissement automatique. Ok, jumelle, ok. Vidéo. Qui était visuel. Commande. Ok. Oui, Harry, j'ai depuis longtemps le jeu d'Apréco depuis un mois. C'est ce qui vient de sortir maintenant. Ça, celui-là, à 15h. L'identification des jumelles, nanana. Bah déjà le jeu en full français. Commencez la partie. Way of the Hunter. Ah, espérons qu'il est cool le jeu. Espérons qu'il soit cool. Bon, je peux pas changer de réserve, c'est pas normal. Ah, c'est peut-être le... Peut-être y a un tuto à faire avant. Peut-être un tuto à faire. Est-ce que les voix sont en française? Oh, belle cinématique. Ça commence bien. Dis-moi que les voix sont en français, s'il te plaît, le jeu. Ouais, mais... Non, il sort officiellement aujourd'hui. C'est juste que, comme ils sont youtubeurs, ils l'ont en avance. Mais honnêtement, je préfère ne pas regarder de gameplay que de tout découvrir par eux. Parce que souvent, les youtubeurs, ils sont là, ils font ce que le jeu veut qu'ils fassent, quoi. Donc c'est un peu chiant. Déjà, il a l'air beau. Après, en même temps, je suis en qualité image. Ouais, mais bon, en soi, c'est pas un souci, parce que... C'est peut-être pas en français, les voix, mais au moins, le jeu est en français, au niveau sous-titres et tout ça. En tout cas, les animaux sont bien faits, je trouve. Oh, c'est trop beau, l'animation. Je crois que c'est la cinématique qu'il y a dans le trailer. J'ai envie de la re-regarder. Ah putain, si c'est mon perso ça, putain, il a une gueule de merde. On appelle son papy. Wallace Elliott, Little speaking. Hey grandpa, I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Evelyn was helping me. Quand tu regardes Saints Row Warhammer, ça va, c'est pas... Ouais, mais bon, après... I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me? Better now?
C'est possible au moins qu'ils aient changé. Non, c'est en anglais, de toute façon, bah, on voit que c'est en anglais. Mais en soi, le jeu est traduit en français au niveau du sous-titre, donc je m'en fous, tu vois. Honnêtement, bah là, en plus, ça, c'est une réserve. Donc si c'est comme ça, c'est magnifique. Déjà, on a une voiture. Il y a du renard. D'après ce que je vois. Alright, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Tell them to be nice to me. Yes, pas de soucis. On va se détendre sur un petit Lucas, un tout nouveau Lucas. On va boire un petit coup avant. La vallée des nez percés. C'est pour toi, Harry, ça. Wouhou ! On est enfin... Ah, ok, ça commence déjà. Donc là, je suis là. Ok. La map, elle est comment ? Elle ressemble à quoi ? Ah, elle est grande. Enfin, elle a l'air petite, mais faut voir. Oh, I forgot the keys. The spare must be in the mailbox. Bah ouais, il est déjà dispo là depuis 15h, le jeu. Et salut à toi d'ailleurs, Hank. Hank ou Hank, je sais pas comment ça se dit. Bienvenue à toi. Près d'où des clés dans la boîte aux lettres. Thank God we have a trustworthy mailman. Oh, un coffre fort. Ouvrir l'espace de stockage. Oh, on commence avec une carabine. Vieille carabine de papy. On équipe ça. Boutique. Ah oui, Remington. Putain, c'est des vraies licences, les gens. C'est des vraies licences. C'est des vraies licences. The Stair. Stair Printer. Ouais, en fait, on a les mêmes. On a un peu les mêmes armes que The Hunter of the Wild. Ah, des niveaux à débloquer. En fait, c'est un peu comme The Hunter of the Wild au niveau des armes. C'est juste qu'ils ont les vraies licences, quoi. Oh, un fusil. Oh, il n'y a pas de pistolet. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'armes pour l'instant. C'est lui, t'as aussi été chargé à quelle heure? Moi, j'arrive pas à le trouver dans les bibliothèques Epic Games, merci. Bah écoute, moi je suis sur PS5, donc nous on a pu le télécharger 2 jours en avance. On a pu jouer qu'à partir de la 15h. Honnêtement, je saurais pas te dire. Renseigne-toi sur les forums, il y a peut-être des infos. Mais logiquement, tu devrais l'avoir. Peut-être qu'il sort plus tard sur l'Epic Games Store, hein, peut-être. Faut voir l'heure à laquelle il sort. Accessoires. Ah, oh oui, on a carrément des viseurs comme ça et tout ça. Émination. Permis privé du bassin. Ah, on a des systèmes de permis. Mais ça, c'est bon, ça. Il y a Transylvanie. Mais de rien, Alex Motard. N'hésite pas à avoir d'autres questions si jamais t'as besoin. Ok. Sommeil. Véhicule. On a plusieurs véhicules, ouais. Bon, même si en vrai, je m'en fous un peu des véhicules. Vas-y, se répand. Et merci Alex Motard pour ton follow. Bienvenue à toi dans Bis Family. N'hésite pas à rejoindre le Discord si jamais tu le souhaites. On a à peu près une vingtaine dessus, donc la famille s'agrandit. Je te laisse taper !! Discord, tout collé, en minuscule, et ça va te mettre le lien, tu auras juste à le rejoindre, et si tu veux, pourquoi pas parler. On a un planning maintenant sur le Discord qui est publié toutes les semaines, le dimanche généralement. Donc tu peux voir sur quel jeu je stream chaque semaine. Donc à quelle heure environ pour savoir quand venir et si jamais ça t'intéresse de venir regarder les streams.
Bah là on est bien. Oh, ouais, c'est le jeu, il est beau. Le jeu, il est beau. C'est au balcon nord, ouest, au premier étage. Là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Je leur fais non, je vais pas. Tu sais que tu vas sortir, c'est nous. Oh là là. Yes, Harry. Ah, le jeu, il est beau. Putain. Servez-vous des jumelles pour opérer les balises en surveillance qui vous mèneront à Echo. Et salut Alfredo! Comment ça va? Check ça pour t'amener sur le live! Comment ça va mon ami? Comment ça va? Puis moi, c'est sur PC. Vous l'avez pas encore sur PC? C'est pas normal. Ah, peut-être que Sony, on l'exclut pendant un moment. Peut-être que Sony, on l'exclut pendant un moment parce que c'est bizarre que vous voulez pas sur PC. Ah, vous l'avez à 19h! D'accord. Ah, par contre, c'est trop bien fait le changement d'arme, les gens. Comment j'accède à ma roue? Jumelles sont le meilleur allié du chasseur. Tout d'abord, appuyez sur pour sélectionner les jumelles, puis utiliser L2. Et merci Alfredo pour le follow. Bienvenue à toi dans la Bélis Family. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui le veulent, les amis. Maintenant, je mets un planning tous les dimanches. D'ailleurs, vous pouvez avoir accès au planning de cette semaine. Aujourd'hui, on est sur ce jeu-là qu'on le découvre jusqu'à 21h ou 22h, je sais plus. Faudra que je regarde. Harry, est-ce que tu peux checker mon Discord et me dire dans la catégorie planning, je suis jusqu'à quelle heure sur le jeu? Je sais que je suis jusqu'à 22h si je me trompe pas. Et demain, on part sur du No Man's Sky, continue notre aventure, on a fini l'expédition. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je serais ravi de vous présenter. Il n'y a pas de souci, c'est un jeu que je suis fan. Donc on partira sur ça. Et ça peut arriver qu'on fasse du multiversus si des jeux bug un peu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre l'histoire, les amis. Yes, pas de soucis, Harry. Bah attendez, je vais vous mettre la commande Discord avec le bon téléphone. Tac. Je vais juste checker vite fait jusqu'à quelle heure je suis là en live. Comme ça, vous êtes vite au courant. Mais logiquement, c'est 22h. Logiquement, c'est 22h. Aujourd'hui, on y est. Non, jusqu'à 21h. Donc de 15h à 21h, on a 6 heures de stream dessus. En 6 heures, on est large de faire, de découvrir un peu la map. Bon, par contre, le seul point positif, c'est que le jeu a des licences. Ça, c'est magnifique. Par contre, rien que là, je regarde le paysage, mais c'est beau. Maintien pour. Après, je suis encore plus pressé pour la sortie de The Angler Call of the Wild. C'est quoi ça? Bah, c'est pas que le paysage est plus beau, Harry, que sur The Hunter. C'est que sur The Hunter, j'ai fait qu'une réserve pour l'instant. J'ai pas exploré toutes les réserves. Donc, même toi, t'as pas pu voir toutes les réserves. Honnêtement, les réserves, elles sont beaucoup plus belles. Mais The Hunter Call of the Wild, on peut pas le nier, il est beau comme jeu. Mais par contre, je vois pas c'est quoi, Alfredo, ton jeu Angler Call of the Wild. C'est parce que sur console, on l'a pas, donc peut-être qu'il sort que sur PC. Je t'avoue que là tu me poses une colle. Tu connais The Hunter? Bah ils font le même jeu pour la pêche. Ah ouais mais c'est la pêche. Bah je t'avoue que la pêche, je suis pas fan. Je préfère la chasse parce que au moins c'est moins galère. Mais déjà qui nous corrige beaucoup de bugs sur The Hunter Call of the Wild, qui nous fasse des bons trucs et qui voient après. Par contre, je sais pas comment je sors les jumelles. Croix pour sauter, rond pour s'accroupir, triangle c'est un saint chasseur. Sauf que moi j'aimerais bien. Le trailer et je pense que tu changeras d'avis, il va être énorme. Oui, non mais c'est sûr. Oui, il est beaucoup plus vite, mais en même temps, Harry, tu parles d'une boîte où ils ont les financements de. Après, le jeu il est prévu pour la PS5. Donc en vrai c'est pour ça qu'il est fluide. Et là je me suis mis en mode performance. Donc forcément, bon pour moi ma sorcière elle est pas énorme. Instinct du chasseur. Ah et ben voilà, c'est ça que je vais faire. Bon on a tout en fait. Son, sous-titre, manette. Maintenir masqué équipement. Un, à pot suivant.
Sauf que moi j'aimerais bien trouver. Ah, c'est la marche automatique, je peux faire la marche automatique. D'abord, géographisme. Bah, en fait, je sais pas, attends. Je vais te dire, je suis en quoi. Après, Wild Hunter va être bénéfique pour les joueurs de Zone, pour les joueurs Hunter. Bah, je t'avoue que moi, Alfredo, je joue à Wild Hunter parce que bah, j'ai vu qu'il sortait ça. Mais là, le fait qu'il manque du contenu, enfin, qu'il n'y a pas énormément de choses, je pense que je vais faire beaucoup de Zone Hunter Call of the Wild, de temps qu'eux, ils se permettent de sortir des armes, ça. Après, comme c'est des licences, c'est plus galère, ce qui est normal. Mais voilà. Grosse souffrance, comme ça va leur mettre un coup de pied aux fesses potentiellement. Bah, c'est sûr, mais en soi, The Hunter of the Wild, il a déjà conquis beaucoup de monde dans le sens où il a beaucoup de réserves, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup d'espèces. Ce jeu-là, il y a qu'encore une dizaine d'espèces, il y a que deux maps. Donc voilà, quoi, il n'a pas encore conquis tout le monde. Personnage. Oh! Ah, mais attendez! Ça veut dire qu'on peut. On a des attaques taxidermie, les gens. Oh là, la taxidermie. Bon, il y a là des talents. Ça c'est intéressant. Et j'ai vu qu'en entrefond on peut prendre tous les talents donc. Alors Harry, je suis en qualité visuelle. Ouais, qualité visuelle. Je suis pas en mode performance. Quand tu vois DVD? Oui, mais quand tu vois qu'une grosse partie de la commu Hunter attendait aujourd'hui avec impatience, c'est sûr. Bah en fait. Ah, DBD, ok, ouais, c'est parce que je me disais, tu t'es trompé. Ouais, mais après DBD, j'ai envie de dire, il n'y a aucun jeu qui a fait le même système, tu vois. Enfin, ils ont essayé, mais c'est pas tellement pareil. Mais forcément, pour l'instant, DBD est le seul. Après, faut voir. Moi, c'est ça que je voulais voir. Les touches. Encyclopédie. Posez jumelles, équipez-vous-en et appuyez sur L2. Comment c'est une équipe? Par contre, la carte, elle a l'air petite, mais quand on dézoome, elle est grande, en vrai. On a 4 maisons dans 5 maisons dans la map. Ah, on peut voir la météo et tout ça. Moi, je veux voir manette. Bien sûr que s'il y a eu VHS, Prop Night, Evil Dead. Oui, mais en soi, c'est. Evil Dead, en soi, c'est pas comme des BD, c'est un peu du Back 4 Blood et tout ça. Moi, je parle vraiment comme des BD, c'est vraiment avec. Un kill tueur, 4 survivants, et c'est vraiment dans le même concept, il répare des trucs, tout ça, tu vois, c'est pas comme en mode, ils peuvent conduire en voiture, ils peuvent, voilà, tu vois, c'est pas comme Friday. Mais après, DBD, ils ont pas bougé leur cul, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une bonne communauté, que la plupart des gens vont rester, tu vois. Parce qu'ils proposent beaucoup de trucs. Par contre, ouais, je trouve pas... Comment j'équipe... Ah bah voilà! Je me disais aussi. See you soon, Echo. On peut pas zoomer? C'est la carte dans le bureau pour vous remémorer les environs. Jour, donc est-ce que lui aussi serait bon que Hunter avoir? Honnêtement, rien que ça, je suis. Désolé, je suis excité. Rien que ça, là, le changement d'arme, il est magnifique! Redlou, tu m'entends? Ah non, je n'ai pas Redlou qui m'entend. Alors, est-ce que tu peux biper Redlou? Sur Snap, vu que tu as Snap. Lui dire, couillon, Billy te parle. Putain, mais rien que ça. Ah! Je fais à manger. Ouais, mais t'inquiète. Non, t'inquiète, je vais le biper moi-même. Déjà, on a un système de taxidermie. Système de taxidermie déjà dans le jeu, inclus, sans DLC. Alors attendez, vous me voyez plus parce que je suis en train de regarder mes messages. Alors, Arsenal, je suis sûr qu'il sera aussi bon. Bah déjà, rien que là, il promet. Fais gaffe à ta place de meilleur modo, Harry, elle va disparaître. Hein. Si tu continues à ne pas être. Bah rien, je suis enlève sur le jeu de chat si tu veux le regarder. Inspecter la carte. La vallée des nez percés. Harry, c'est pour toi les nez percés. Ouais, c'est du 1.0 pour moi, ouais, comme t'as dit. Après, faut voir, est-ce qu'ils vont faire comme les autres cas de sortir beaucoup de maps et beaucoup d'armes. Après, faut dire que c'est des licences, donc c'est différent.
Bah, faut voir. La map, elle a l'air grande. Elle a l'air grande déjà, la map. Et le côté histoire, elle a l'air assez cool. Vous ne serez jamais perdu si vous utilisez correctement votre carte de chasse. Appuyez sur 1 pour l'ouvrir. Il y a deux maps dans l'année qui arrivent. D'accord, c'est bon ça. Ah, il y a celle de région! Bon, bah, la map, elle est grande. Et vu qu'il y a un stun pas. Oh, par. Si, si, je peux. Par contre, oh, le changement d'armes, il est magnifique! Tac! Attends, je vais voir mes armes d'ailleurs, le casier. Where is the casier? Monter dans la voiture, bah, je montre après. Non, le casier, il est en bas. On voit nos pieds, les gens, on voit nos pieds! Ah, je suis tout content pour rien, mais putain, tellement j'attendais ce jeu. Alors. Ah, bah Redloup, tu la connais cette carabine-là, on l'a vu en vrai. Ce style de carabine. Elfredo, non, j'ai pris la version la plus chère, la Elite, avec le Zone Pass. Y a le Steyr Pro Hunter. Ça y est, j'ai un septum, je suis un épercé. Bah, c'est le pionnier. Mais c'est le vrai nom. On a le scout, le Steyr monobloc. Y a que du Steyr. On a la vieille carabine de papy. Le Stinger. Bah ouais, non, c'est les licences, c'est les vraies armes, les licences. Ah oui. Oui, c'est sûr. Il y a le Remington. Après, on passe dans les fusils de chasse. On a le Bonzer and Klein Standard. Le Helden the Jack 1502. Le Cinnamonsky the Jack. Et le silence matinal. Oh, par contre, silence matinal. Il va falloir que tu configures ton Wizbot. Il spamme trop quand on parle beaucoup. Ah, merde. Je vais aller checker ça. Bah, après le live, je checkerai ça. J'ai dû mettre moins de messages. Par contre, faut que tu aies accès à mon compte Wizbot. Oh, le système de viseur! Oh putain, je suis en x7. Ah, ok, j'active et je désactive pour viser. Yes, merci Harry, y a pas de souci. On a la voiture! Alors, oh, je pensais qu'il y aurait une animation. Suivez la route en partant du gîte qui vous conduira à traverser d'une rivière près d'un pont. Faut se mettre en vue intérieure ou pas? Oui, on peut se mettre en vue intérieure. Faut y aller où? Ok, à droite. Ah! Putain, apparemment la conduite, elle est un peu sensible. Par contre, ouais, le jeu, il est magnifique. Hein. Oh là, le bruit en voiture. Par contre, le multi peut être intéressant à faire. Oui, il y a du multi. Mais j'ai pas regardé si. On sait pas si c'est cross-platform. Une voiture est très utile mais pas indestructible, conduisez prudemment. Attendez. Ça veut. Bah ouais, c'est ce que je regarde. Ouais, mais du coup, ça veut dire Ah que tu oui! peux pas. Tu sais, ça fait pas du coup comme dans The Hunter, tu peux pas avoir de tente sur toi directement pour stocker. FRL normalement cross-platform. Ah, intéressant. Bon, on a un système de thunes. Mais par contre, c'est bien. Ça veut dire que c'est un sac à dos ambulant la voiture en fait. On prend la voiture et. Bah, cross-platform, c'est multi-platform. C'est-à-dire tu peux jouer PC. Ah, bah, on sait pas si c'est officiel. Tracer le pont et prenez la première à gauche. Oh, dans l'eau. Oh, dans l'eau. Et t'as annoncé cross-platform, d'accord. Vers un parking improvisé. Ok, c'est là. On
sors du véhicule et on y va. Instinct de chasseur. Ah bon, l'instinct de chasseur, c'est trop bien. Après, il va falloir une mage avant, etc. Et on verra. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense, là, le jeu, il vient de sortir à peine aujourd'hui. Je pense, le temps qu'il fasse une mage. Alors, attendez. Ça, c'est quoi, un stand chasseur? Oh, on peut ping! On peut ping, les gens! Déjà, il a des trucs qu'il n'y avait pas dans The Hunter. Je tiens à dire, le truc qui est bien, c'est pas forcément qu'il peut ping, c'est que le ping, déjà, il t'indique la distance du ping. Pourquoi quand Fredo a mis le mot Vera, j'ai pensé à Multiversus? Parce que tu as trop joué avec moi, Harry. C'est pour ça. Mode photo, je testerai le mode photo un moment. Non, moi je vais jouer en qualité visuelle, je peux jouer en performance. Alors objectif, nanana, encyclopédie, arme à feu. Pour mieux vous orienter dans l'environnement, vous pouvez placer différents types de repères pour des repères. Exploration, appuyez sur R1 dans l'environnement, appuyez sur carré sur la carte de chasse. Je dois monter là-haut. On a un système de pente. Il n'y a pas de système d'odeur et tout ça. On sait que le vent est à 5,0 mètres par seconde. On a la direction du vent. Ça, c'est cool. Ça, on a la direction du vent. On a la boussole. Bon, je la vois pas trop, la boussole, puisque... Mais c'est vrai que le jeu, il est beau, hein, putain. Après, comme je suis en qualité vidéo, je pense que c'est pour ça que le jeu est aussi beau que ça. On va monter, hein. T'imagines ce jeu-là en VR? Oh, en VR, ça pourrait être cool en vrai. En VR, un jeu de chasse, franchement, c'est... Utilise l'échelle. Oh, trop bien fait! En plus, il utilise l'échelle, vraiment. Change ta com de place, sinon. Ouais, je vais la mettre à droite. Je vois qu'à droite, y'a pas de. Mais. Fais voir deux secondes quand tu ranges ton. Enfin, quand tu ranges ton fusil. Bah attends. Quand je range mon fusil, bah regarde. Hop. Ah, ok, ouais, non, j'ai cru que l'animation était encore plus détaillée, dommage. Elle est bien faite. Salut, Echo. D'accord. Ah, c'était pour ça? Juste pour ça? Juste pour gueule? Ça faisait un bail, l'ami. Mais c'est terminé au écho. Assez au champ de tir pour peaufiner vos talents de tireur. On va descendre. Je sais pas si on peut descendre par là. Est-ce qu'on le fait à la The Hunter? Bah, allez. Aïe, bah ça a pas marché. Enfin, ça marche, mais pas comme je le veux. Et amoureux, ce qu'on. Non, moi, jamais. Jamais, Harry, tu serais bien, je suis invincible. Regarde, je suis même pas mort, je suis descendu, je suis pas mort. Sera-t-il mieux escalader que sur The Hunter? Comment ça? Tu parles de quoi escalader? Ah, pour monter une montagne, ça? Après, je pense que c'était pas fait pour monter et descendre la montagne, c'est juste que je suis descendu en mode flemme de faire le tour, quoi. Parce qu'un gros caillou et le gars est perdu sur The Hunter. C'est ça. Après, on se dit The Hunter, il y a des bugs, ça, mais en vrai, le jeu, il est cool. Hop. Au centre de tir, il est là, donc je fais droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Ma
On a pas d'animaux pour l'instant, je n'ai pas croisé. Donc est-ce qu'on va en croiser ou est-ce que c'est le jeu qui veut qu'on... Alors, le jeu est magnifique, mais de la concurrence ne lui fera pas de mal. Ouais, c'est ça en fait, le fait que The Hunter ait de la concurrence, ça, honnêtement, je pense que ça les fera bouger. Que je vois les graphismes, j'ai de l'espoir pour Saints Row. Bah, après, honnêtement, avec les Next Gen, ça, forcément, peut-être pas sur les PS4, il sera beau Saints Row. Enfin, il sera beau, mais peut-être pas aussi beau que sur PS5, parce que sur PS5, on aura les rendus, les performances, tout ça, quoi. C'est par là. Je me suis trompé, j'ai oublié la route. Alors par là. Tut. Waouh, ça pue, là, désolé. Je suis désolé les gens. Je n'ai pas réussi à le paramétrer. Tu insères un vidéo touche à cible au repère de 50 mètres. Alors déjà, le viseur, il est stable quand tu bouges. Oh, trop bien comment il recharge. Et mon zéro de votre carabine à 150 mètres. Toucher un cible de 1 vito, je suis assis pour repère de 150 mètres. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi il a pas voulu Pourquoi tu veux pas? Ah mais c'est 100 mètres! Number one to keep his shooting skills sharp, but 200 meters, way too far for a safe deer shot. Nickel. Ah, par contre, le rechargement, je kiffe. Ouais, rechargement, pas mal. J'ai la note laissée ici. Hey Wallace, don't forget to take care of the badgers, wreaking havoc. N'oublie pas de couper des blaireaux qui font des ravages derrière le gîte. Cordialement, moi-même, espèce de tête en l'air. Bah, apparemment. Passez-vous dans le serveur près des ravages des blaireaux. Le codex, quand t'as pas un codex? Si, je crois, j'ai un codex. Encyclopédie. Animaux, je peux pas voir encore. Je peux pas voir encore. Attends, le personnage, j'ai pas vu. C'est quoi? Il y a une histoire sur le personnage? Apparemment. Ah, alors attends, toucher le cœur. Ah, il y a des systèmes pour avoir les compétences. Faut faire des défis. Ça, c'est cool, ça. Ah, bah ça, c'est mieux déjà. Assistant de taxidermie, c'est déjà inclus. Ça, c'est cool. Journal de chasse. Vous pouvez remplir un animal si c'est un taxidermie dans l'écran de récréation parce que vous le prélevez. Vous pouvez remplir un animal. Faut aller où? Derrière. Déjà, je kiffe parce que c'est même de retenir sa respiration. Allez, les pubs, c'est ce que j'ai fait, honnêtement, ça te rapporterait en plus. Ouais, je sais, mais je me dis, c'est toujours bénéfique. Non, mais il faut que je désactive un peu, je voulais en mettre moins. Remplir l'animal. Harry, tout de suite, il a ses idées. Bon, le fait d'enlever l'arme et tout ça. Oh putain, c'est trop bien fait. Le système d'enlever l'arme et tout. Hop. Ok, donc si je maintiens la flèche de droite, ça enlève. Il range son équipement. Parfait. En plus, pas activer la marche automatique. Là je fais rien, il marche tout seul. Enfin ouais bon par contre il marche tout seul. On va essayer de se manger les murs quoi.
bloque dans les murs. Bon, je vais voir. Est-ce que ça fait comme The Hunter au niveau de l'herbe? Il va se bloquer dans un blaireau. Ah, c'est pas comme... Ah, par contre, ça, c'est le détail qu'il y avait dans The Hunter qu'il n'y a pas dans celui-là. L'herbe, elle s'écrase pas quand tu passes à côté. Mais après, c'est qu'un détail, mais... Allez, 110 mètres, on va tuer les blaireaux. Attends, est-ce que ça va être des vrais blaireaux qu'on va tuer ou c'est... comment j'enlève mon viseur? Salut, est-ce qu'il y a des arcs ou pas? Alors non, il n'y a pas d'arc pour l'instant. Après, le jeu, il est en version 1.0. Donc, faut s'attendre à avoir par la suite des trucs. Pour l'instant, il n'y a que carabine. Enfin, il n'y a que fusil de chasse et carabine. Ah, carrément, la tour, elle est camouflée dans les arbres. Par contre, j'ai pas vu qu'on pouvait acheter des munitions. Utiliser l'échelle. Bon, on va devoir monter ça. Ah, il y a beaucoup de petits détails. Il n'y a pas de couteau dans le jeu. C'est con. Ah oui, sur PC, vous l'avez qu'à 18h. Tirer sur un blaireau. Ça ressemble à quoi un blaireau? Un blaireau, bah, c'est... On prend les jumelles. Un animal blanc et noir. En enceinte chasseur. Un petit peu plus gros que princesse. C'est quoi ça? Ah, ce truc des blaireaux. Les autres disaient 19h tout à l'heure. Bah en fait, je sais pas. Oh, on a déjà un télémètre sur les jumelles. Oh là, il y a un blaireau là. Je t'emmerde, Harry. Putain, ça y est, commence. Bon, on va prendre le fusil. Ah! Par contre, ce qui est bien, on a un petit point rouge. Ah non, c'est un assassin chasseur, ok. Hello, Medusa! Comment ça va? Comment ça va, tout le monde? Comment ça va, les gens? Et merci à toi pour le follow Dark Error. Bienvenue à toi dans la Business Family. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui l'ont pas déjà fait. J'ai mis en place un planning qui sera publié tous les dimanches. Par rapport aux horaires de ça. Bah écoute, Medusa, ça va, ça va. On découvre ce petit nouveau jeu de chasse, là, cette petite pépite. Bon, 1.0, on se met à 100. Hein. Attends, c'est 100 mètres là? Ouais, on est à 100 mètres. Ah, il est là le blaireau. Il est là le blaireau. Je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Trace de sang. On va utiliser l'échelle. Bon, je suis toujours pas fait à manger finalement. Bah oui, hein, comment t'as bouffé, tu manges vite fait. Hein. Alors on va voir. Déjà, je peux enlever le ping de ça tout mon ventre, ça c'est cool. Mon ventre crie famine. Bouffe une main, car l'autre pour demain, comme on dit. Alors, je veux voir par contre comment ça se passe. Si je mets un instinct de chasseur. Ouh, j'ai mis une balle dans le cul, lui. Il a fait un fameux anneau. Alors, le sang est fait comment? Analyser. Ah. Alors l'analyse, c'est pas un stand direct. Ah bah du coup, je vais devoir déplacer ma caméra, les gens. On va déplacer ça en bas, au milieu à droite. Parce que du coup, je vois pas... Alors, l'analyse est détaillée, en tout cas. Couleur du sang rosé, quantité beaucoup de sang, impureté, bulle d'air... Temps avant la mort instantané. Ça, c'est bien, ça, par contre. Récupère animal. On a carrément la balle et tout ça, on voit la balle qui fait. Trop bien, oh. On dirait un, comment ça s'appelle, un truc. Alors, dommage de pénétration, 842 jours. Alors, on a son âge logiquement. Vieille carabine de papy, distance de tir 20 mètres, vent, ok. Ah, ça, c'est juste la caméra balle.
On a percé la chair. Si, on peut. Ah, mais un blaireau, on dirait Red Loup. Ah, des tapes. Il va te faire enculer, blaireau, c'est tout. J'ai failli taper le cœur. Hein. Ça, c'est cool, ça, par contre. Aperçu. Alors, j'ai tué un mâle mûr qui faisait 9,78 kilos. C'est quoi? Ah, ça, c'est les gènes, 44,49%. Tir mortel, organe vital ou artère. Ah, ça c'est bon à savoir, ça tu dis c'est quoi le tir mortel. Ah, tu dis carrément où est-ce que tu l'as tué, le temps qu'il faisait, l'heure qu'il était. Ça c'est cool. On a deux étoiles, difficulté aventurier, et j'ai gagné 46 pièces. T'es mignon ce méchant, et bleu, ça dépend lequel, hein, oui. Hein. Chasse. Distance parcourue. Ouais, info de la traque, temps de traque 2 minutes. Poids d'animal, 9,5 kg. Perte due au tir. Ah, tu... ah c'est de mes carrément la perte que tu perds due au tir. 16... Il a perdu 16 grammes. Perte due au temps. Ah, il y a une perte de dents aussi. Ah, et c'est carrément tu vends. Poids à vendre 9,62 kg et 4,80 €. Enfin, ouais, on va appeler ça en euros. Le kilo. En fait, on est carrément un marchand, en fait. Trophée. Et dans Red Dead, en fait, là. J'ai eu un score. Alors. Il est mal modélisé. Ça dépend, en vrai. Ouais, c'est parce que je suis en caméra. Alors, je fais quoi? Je le vends, je l'empaille ou pas? En vrai, on va le vendre, je pense. Hein. Ouais, allez, on va le vendre. Ah, faut maintenir. Encyclopédie débloquée, blaireau d'Amérique. Voilà, nickel. Et du coup, lui, j'ai mis une balle comment? Alors, le sang. Je veux juste analyser le sang. Tête, je sais pas. Couleur du sang, rosé, quantité, beaucoup de sang. Hein, ouais, ok, pur d'air. T'envoies la mort rapide. En même temps, tu m'étonnes. J'ai mis une balle. Ouf. Quoi, je vais toucher le cerveau? Non, je vais pas toucher le cerveau quand même. Je crois... Oh oui, j'ai touché le cœur. La balle l'a traversé. Le sang fait hyper ketchup. Oh, bon, après, c'est un détail. Hein. Vendre. Par contre, je vends moins cher, lui. Il était moins gros. Prélevez un blaireau, servez-vous d'observatoire ou chassez à pied. Je viens de prélever un blaireau en plus. Tu te fous de ma gueule le jeu? Bon bah écoute, on va attendre. Ah c'est pas bon, j'ai pas munitions infinies, donc je pense qu'il y a moins de... il faut acheter une munition. Peut-être pour ça que... Parce que j'ai pas eu les munitions, est-ce qu'on les achète? Enfin, tu me dis, j'ai pas exploré la boutique. J'ai exploré juste les armes. J'ai pas exploré tout ce qui est à peau et tout ça. Pour ça que le jeu, il est bien fait. Après, Harry, le sang, c'est un détail. Hein. Il fait peur ketchup. Tu regardes dans The Hunter Cross the Wild, il faisait pareil. Hein. Y aurait-il un blaireau dans le coin? J'ai vu que ça, on peut les analyser. Ah! Quand tu mets un chasseur, t'as la distance de tir et tout ça. C'est cool. Et donc, du coup, sur la carte, est-ce que j'ai un système de... Y a pas de même système que The Hunter où il y a une zone qui apparaît. C'est bien ça, en vrai c'est cool. Il est plus axé sur la... On va se balader, ce sera mieux. Merde! Je suis tombé, putain. On n'a pas de vie dedans? Je sais pas si on a une vie dans le jeu. Déjà, l'observatoire, on voit... Est-ce que ça va être comme The Hunter où on doit acheter des trucs sur la map et tout ça? Ou est-ce que c'est en mode... Y a tout est débloqué, t'as juste à te balader et te tuer des animaux. Il ne faut pas être un blaireau. Oh, le nom de la mission, quoi. Bon, j'aimerais bien savoir comment on enlève le viseur. Est-ce qu'on peut enlever le viseur? Commande. Manette.
crois pas qu'on peut enlever le viseur. Alors, encyclopédie, du coup, animaux. C'est pas bien, il faut pas être un bureau. Je t'emmerde, Harry. Ah oui, on est carrément le cycle de vie, la puissance d'impact recommandée, le niveau de chasse. D'accord, on a une encyclopédie. Le jeune, il a entre 1 et 3 ans, il peut aller de 4 à 6 kilos. C'est quoi, ischion? Quelqu'un peut m'aiguiller sur le mot ischion, là, que je vois, là? Pour le poids? Ça peut se débloquer lorsque le personnage aura récupéré l'animal ou inspecté les traces pour la troisième fois. Ah, en fait, c'est plus tu tues l'animal, plus il évoque de son encyclopédie. Ça, c'est bon à savoir. Mais par contre, ouais, je sais pas c'est quoi Ision, Ision. Radlou, t'es là? On a perdu Radlou. Si Harry, tu peux m'aiguiller, vu que t'as ton PC à côté de ça, tu peux rechercher sur Internet ce que ça veut dire Ision. Je t'avoue, je sais pas. Ah, bah oui, il y a des munitions, voilà. Ok. Charge le mec à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. De faire quelque chose. Non. Ission, pas mission. Là, tu vois en plus, sur le poids de l'animal, tout à droite, la poids, ission. Je sais pas c'est quoi. Non, c'est pas ça, ission. Ission, c'est vraiment ça? C'est pas possible. Bon, écoute, si tu me dis que c'est ça, c'est que c'est ça. Je comprends pas pourquoi il parle de religion et de ça alors. On doit prélever un autre blaireau. J'aimerais bien blairer un. Blairer. Me trouver un autre blaireau, mais. Il n'y en a pas là pour l'instant. N'y a pas d'autre blaireau pour l'instant, et je t'avoue. Bah écoute, Médusa, moi ça va, tranquille. On est en petite journée de repos aujourd'hui, du coup on est en mode stream jusqu'à 21h. Donc voilà. Et toi, comment ça va depuis le temps? Moi j'ai quitté. Oui, d'ailleurs, moi j'ai quitté la squad. Parce que bah, il y a des choses qui me plaisaient pas. Il y avait trop de restrictions, trop de trucs. Bon, au début c'était cool, mais après c'est un peu parti dans tous les sens. Donc, je t'avoue que ça m'a un peu démotivé à rester. Et je reprenais des trucs, j'étais, je sais pas, j'envoyais des messages, j'étais pas écouté tout ça, donc j'ai préféré partir de moi-même. Du coup, un blaireau, y aurait-il un blaireau? Y aurait-il un blaireau, s'il vous plaît? Bon, ça c'est bien, dès le début on a de la thune, on a plein de trucs. Ça c'est assez cool. De quoi je t'avais pas dit quoi, Harry? On repose souvent. Ah, c'est bon à savoir. Du coup, c'est que le bêtise débloquer des nouveaux trucs. Voilà. Ta principale forêt de plaine, marais. Ok, il y a des trophées. Du jour de congé, je suis bien aujourd'hui. Tu m'étonnes que t'es bien avec du jour de congé. Pour la squad, ouais, bah en fait, non, j'ai quitté la squad et j'ai trouvé une squad où c'est un gros streamer qui l'a fait. Un streamer à peu près de 50 viewers à chaque fois. Et là, c'est entièrement libre et tout ça. Même toi, je pourrais te faire venir, Harry. Et en gros, il y a souvent des événements où tout le monde peut venir. Et souvent des événements bah, sur Fortnite. Ça, bon, malheureusement, Fortnite, j'y joue pas. Blaireau. J'ai touché ou pas? Je ne sais pas si j'ai touché. La question que je me pose, c'est comment on peut savoir si on l'a. Là, je l'ai eu. Je veux juste voir le rechargement.
quand il est sans munitions. Est-ce qu'il y a un système d'animation différente ou pas? Oh oui. Ça c'est bien fait, tu vois. Par contre, je comprends pas c'est quoi le truc violet. Ah, là ça me dit carrément la zone où sont les animaux. Ça c'est cool. Vendre. On va le vendre. Acheter un Remington 783 à verrou, une carabine plus adaptée pour la chasse du cerf. Ça c'est cool ça, on va l'acheter. Oh, en plus c'est tellement rapide. On le sent le chargement. Une carabine, ouvre la boutique. Ouvrez la boutique. Hop là, dans la... Ah oui. Par contre, c'est bien, on peut acheter un permis de chasse. Mais par contre, je sais pas où est-ce qu'on achète les munitions. Voir l'espace de stockage. Remington. Ok, je peux mettre le viseur sur les deux alors. I shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. Par contre, c'est bien le jeu, mais moi j'aimerais. J'ai une mouche qui se bat autour de moi là. Voilà. Chasse éthique. Atteignez la prairie en hauteur. Tu pues, c'est pour ça. Non, je pue pas. Ouais. Pas dire ça. On va y aller en mode... On va y aller en mode à pied. On va pas s'emmerder à y aller en voiture. En fait, je suis en train de mettre des pings depuis tout à l'heure. Parce que quand je... Ah, quand je passe dessus, il s'enlève pas par contre. C'est un peu con. C'est un peu con s'il s'enlève pas. Donc ça veut dire... Alors attendez, je peux pas acheter de munitions? C'est quoi, c'est quand je passe dans une aire de repos, ça me... Ah oui, ça me ravitaille en fait. Il n'y a pas acheté de munitions. C'est bon à savoir, même si en vrai, je vous avoue, j'aurais bien aimé acheter des munitions. C'est un point négatif ça. Mais après, peut-être qu'il y aura une mise à jour pour la suite. Putain, c'est le... Ah bah la voiture elle est là, on va y aller en voiture. Par contre du coup, vu qu'il y a un point d'interrogation ici, on va peut-être aller le voir. Même cuisse, c'est long. Tu m'étonnes. Ok, c'est là-bas. Moi. Il y a quoi dans la maison là? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer?
En vrai, y'a rien à récupérer pour l'instant. Y'a rien à récupérer pour l'instant. Ah, par contre, on a une autre tour de châssis. Ça peut être intéressant. En espérant qu'il y ait du gibier. Et re-Elfredo! Pas l'air d'y avoir du gibier dans le coin. Qu'est-ce que tu as loupé en 20 minutes? J'ai tué des blaireaux. Bon, est-ce que tu as loupé? Je me suis acheté une nouvelle arme. On a analysé un peu quelques trucs. Le système de track, tout ça, il est différent des Hunters. On a découvert aussi qu'il n'y a pas besoin d'acheter de munitions. Quand tu retournes dans une aire de repos, ça te ravitaille toutes tes munitions. Il y a plein de trucs qui sont. Il y a beaucoup de points positifs. Le seul point négatif, bah, c'est les munitions. Hein, le fait que de pas pouvoir. De pas besoin d'en acheter, quoi. Tu m'étonnes. Tenez la prairie en hauteur. C'est bien le bruit là. Les animaux, lorsque vous traquez un animal, ne courez pas, vous risquez d'effrayer à coup sûr. Essayez de vous déplacer en silence, ne c'est pas la voiture, restez dipsé dans les autres herbes. Ce serait les deux animaux dans la zone, subjectif, essayez de trouver d'autres animaux ailleurs ou revenez une autre fois. C'est moi savoir. Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons from Grandpa. Parler de valet. Sûrement, sûrement. T'as peut-être raison, après, tu sais, là je découvre le jeu, je suis comme tout le monde, je découvre le jeu vraiment. Je suis en mode découverte à fond là. Hop. On va essayer de bien chasser correctement comme il se doit. Il se sent barré. Si je descends comme ça, est-ce que à votre avis je meurs? Bon, de toute façon, je peux pas descendre. Je vais descendre en mode. Descendre comme ça. Bon, et ça, c'est juste ça la seule différence, c'est le fait qu'il n'y ait pas de comment dire. Qu'il n'y ait pas de balles à acheter, ça va beaucoup nous faire bizarre. Parce que nous on est habitué à acheter des balles et tout ça, et là tu vas juste dans le repos et c'est bon, t'as toutes tes balles qui sont rechargées, quoi. Donc du coup ça va faire bizarre. Ça a gueulé dans le coin. Je sais pas si ça a gueulé parce que ça m'a repéré ou si ça a gueulé. Je sais pas si c'est un animal ou si c'est l'environnement qui fait ça. C'est pas comme The Hunter of the Wild où on peut traquer les bruits, quoi. J'ai dit à l'arbre, bah, s'écrase en fait finalement, mais non en fait. Enfin, s'écrase quand je suis dessus, mais après. Elle s'écrase plus.
Ouais, du coup, on va devoir attendre qu'il y ait un... Là où c'est quoi? J'arrive pas à voir c'est quoi, on va prendre les jumelles. Je sais pas si on peut le repérer. Il est à 140 mètres. Ah putain, bah oui. Ça c'est cool ça. On a tué un animal. La question que je me pose c'est... Ah voilà, c'est pas comme dans The Hunter où il y a une trace. Allez! Il est où? Il est là! J'ai voulu le pré-shoot mais ça n'a pas marché. Oh! Ah! Je touche pas ce truc de malade. Bon, c'est pas grave. Au moins... Analyser. Sermulet. Nourriture souvent. Hop. Alors, on lui a fait quoi? On lui a fait une balle chère. On le vend pas cher, hein, celui-là. Ouais, c'est une femelle, c'est pour ça. Vendre. T'as de la chance. Ah, c'est un renard ça. Oui, oh, on a mis une balle dans le cœur. On lui a mis une balle dans le cœur. Ah, c'est une femelle, forcément, on n'a pas de... On n'a rien à vendre. Sermulet. Déjà, on sait qu'il y a du sermulet ici. Maintenant, la question c'est comment ça va se passer? Attendez. Apparemment, je peux vendre des animaux appelés. Ah, c'est peut-être quand on fait la peau, sûrement. Ça va être sûrement ça en fait quand ils disent appeler. Ça va être sûrement ça. Du coup, on va juste continuer. Ouais, on n'a pas trop le choix de continuer en vrai. En fait, c'est toute la zone. Toute la zone pour chasser l'animal là qu'il faut là. Le seul problème, c'est que bah ouais, je ne trouve pas d'animal comme ça. En fait, le fait que je les ai alertés, je pense que c'est ça qui a fait que. Que du coup, on puisse pas.
Ah, que du coup, ils sont plus là. Là-haut, c'en est un là-haut. Eh oui. C'en est un. C'en est même plusieurs. On va prendre les jumelles. Ils sont à 200 mètres. Faut juste que j'y aille sans faire de bruit. Ça va être un peu compliqué. Ouais, il y en a allongé, je sais, ce que j'ai vu. Mais le problème, c'est ce qu'il faut les avoir. Ouais, donc du coup, Alfredo, pour donner mon avis du jeu, il est cool. Il est bien réaliste, tout ça. Le seul défaut, c'est les munitions. Parce que le problème, c'est qu'en fait, t'as pas acheté les munitions. Tu passes dans le repère, enfin dans l'aire de repos, et ça te les remet à fond, quoi. Donc c'est un peu galère, quoi. C'est ça que The Hunter of the Wild avait bien, ses munitions. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Maintenant, je sais pas comment on peut savoir si on l'a tué en fait. C'est ça le problème, parce que je sais pas si je l'ai tué. Je pense que oui, hein. La balle qu'il a pris. Oui, je pense qu'ils. Ouais, je pense qu'ils vont changer en vrai, je sais pas. Parce que. C'est vrai que le système de balles, c'était bien sur The Hunter de pouvoir choisir ses balles, d'avoir plusieurs armes à choisir et tout ça. Il y a plein de trucs là on retrouve pas en fait dans ce jeu là. Mais après voilà quoi, comme je l'ai dit, le jeu vient de sortir, donc le temps qu'il fasse du contenu, on a le temps, tu vois. Je sais pas où est-ce que je l'ai tué. Où est-ce que j'ai tiré? C'était par là, non? Je crois que c'était au niveau des arbres. Je crois que c'est par là que j'ai tiré. Ça, j'ai touché parce que j'ai vu du sang sortir. Plus c'était par là, je m'en rappelle plus. Ouais, je peux pas les avoir. J'aurais dû mettre un ping. C'est con. Du coup, j'ai pas mis de ping. Et le problème, c'est que du coup, je sais pas où est-ce qu'il était. Je l'ai touché. Maintenant faut voir. Bon, ils courent tous, mais c'est pas grave. Alors, juste mettre un ping là-bas. Comme ça, je le saurai. Parce que je le saurais, j'avais pas mis de ping depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi? C'est pas comme The Hunter où il y a une marque quand tu tues un animal. Du coup, tu peux pas vraiment savoir si tu as tué. En soi, c'est pas très, en soi, c'est pas très, très grave. Logiquement, il y aura une traînée de sang. Analyser. Rosé, qualité de sang moyenne. Qualité de sang moyenne. Bulle d'air. Temps vers la mort lent. Distance vers la mort 0,50 mètres.
Sauf que je fais comment pour savoir par où il est parti? Bon, ça c'est un peu relou, la track elle est un peu galère. Vu qu'on n'a pas l'habitude. Ok, par là. Ah, c'est bon, j'attache le sang. Je pense que ouais, c'est par là où ça part, c'est peut-être par là où il est parti. Ouais, c'est ça. C'est dans le sens où il est parti. Ah voilà, il est parti par là. J'ai les taches de sang. C'est parfait. Ah bah elle est là. Ouais, ah oui, ah oui. J'ai touché beaucoup de trucs là. Je l'ai bien eu. Ah, du coup, le trophée, forcément, c'est de la merde, hein, puisque... Alors, le trophée, le tir mortel, c'est un seul poumon, pas seulement nuage. Ah non, le tir mortel que j'ai fait, c'était sur un seul poumon. J'ai appris les bases de la chasse à présent, une des objets de la boutique, tous les modes multijoueurs et toutes les régions disponibles sont accessibles. L'orange de l'ours dirigé par votre grand-père fournit de la viande de gibier chassée de manière éthique à des grands restaurants. Vous pouvez accéder aux commandes des restaurants via la messagerie de l'ordinateur. Ça, c'est bon à savoir, ça. Voyage rapide. Et hop, le truc rapide. Voilà. Je pense que oui, alors, il y aura un système de pouvoir acheter tout ça. Une autre recette améliorée. Accepter une mission. Boutique. Ah, là, on peut les acheter si on veut. Équipement. J'ai 1300. En vrai, je pourrais m'acheter les lunettes, les jumelles là, 10 x 42. Apport et petit. Tac, 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 tac. Déjà, on a beaucoup de trucs, déjà. Ah oui, ça sert à quoi ça? Il n'y a pas marqué à quoi ça sert. Je pense qu'on va acheter ça. Bah, je prends la jumelle, puisque la jumelle va me servir. Après, en soi... En soi, un fusil de chasse équipez-vous-en pour chasser efficacement des oiseaux et des petits gibiers. J'ai pas acheté. J'ai fait le con, j'ai oublié d'acheter un fusil de chasse. 300. Ah, bah attends. On peut l'avoir. Bah voilà. On peut l'avoir. Ouais, en fait, ça, le problème, c'est que les armes, elles ont déjà leur calibre, à proprement parler. Donc, forcément, c'est peut-être pour ça aussi que... C'est peut-être pour ça aussi que... Comment dire? Peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de... Comment dire ça? Par contre, il est beau. Peut-être pour ça aussi qu'on peut pas acheter les munitions. Non, ce qu'il aurait dû faire, en fait, c'est le fait qu'on puisse acheter les munitions directement. Bah là, on va retourner vers le menu principal. On va aller voir sur l'autre map. Vallée des Nez Percés ou Transylvanie. Voilà Transylvanie pour voir. Est-ce que je vais me retaper un tuto comme avant ou pas? La question c'est, est-ce que les armes sont différentes par rapport à la région? Je pense pas. Ça reste à voir. Oh, déjà on commence à un endroit, c'est...
C'est magnifique. Le paysage est beau. Moi, du coup, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Là. Alors, est-ce que du coup. Non, voilà, la boutique reste la même pour les deux maps. Ça peut être intéressant. C'est intéressant si ça reste la même pour les deux maps. Bah, du coup, on va aller sur. Juste faire un test. Ça bouge pas. Par contre, ouais, je vais enlever le désactiver tout ça là. Pour la visée. Ouais, il y a peu de recul. Ce qui est quand même dommage parce qu'en soi, de base, t'as une aussi gros, un gros recul sur les armes comme ça. Un stade chasseur. En fait, c'est ça. C'est ça. Faut que je fasse un instinct de chasseur si je veux pouvoir analyser un. Si je veux pouvoir analyser un animal. Je voilà, c'est ça. Pam 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 pam. Ouais, non, la version du jeu, on va la garder. S'accroupir, ouais, jumelle. Type de visée, activer, désactiver, ouais, maintenir, voilà. C'est ça que je voulais. Comme ça, hop, je peux lâcher, ça m'évite de rappuyer à chaque fois. On va continuer sur l'autre map de base. Si vous ferez des votes pour changer de map si vous voulez. Ah, c'est la vallée des nez percés, la vallée des nez percés. La vallée des nez percés. Après, honnêtement, le jeu est cool. Le jeu est cool. J'espère qu'il prévoit des choses. Hormis les deux maps que vous m'avez dit là. Mais ce serait cool, c'est qu'ils changent le système de munitions qu'on puisse acheter, comme The Hunter Call. C'est le seul défaut en fait. C'est juste ça. Mais bon, après les armes, mais ça c'est le début, c'est le temps que le jeu se mette en place. Et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Comment allez-vous tous, les gens qui viennent d'arriver? Les gens du chat et tout ça, comment allez-vous? Il y aurait event concours et news, équipement map, etc. Comment ça? J'ai pas compris. En gros, alors attends, moi je vais aller checker le Twitter de Way of the Hunter. On va voir ce que ça dit. En vrai, s'ils nous font des events à style comme les jeux multijoueurs ça de maintenant, ça va être un peu con parce que je vois pas que d'intérêt dans celui-là, tu vois. Mais là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un système de chasse qui est plus poussé que The Hunter Call of the Wild. Par exemple. Par exemple, on a des. Bah déjà, le système de chasse. Là, par exemple, comme vous voyez sur la carte, on a le truc, c'est qu'il nous dit, bah, en gros. Ah, ça, c'est cool, ça, zone de passage, ça donne ça. C'est cool, ça, c'est plus détaillé. Moi, attendez, je vais essayer de retrouver sur Twitter, carrément, leur page. C'est Way of.
Undertale. PS5. Mais c'est vrai que ce serait cool qu'ils nous mettent des trucs. Si j'arrive à trouver le Twitter, ce serait cool. Sauf que là, je le trouve pas. Je crois pourquoi je le trouve pas. Je trouve pas les gens. Vous aimez tu mais je trouve pas. Je le trouve pas. En vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool d'avoir des infos. Parce que là, pour l'instant, voilà, ce que vous me dites, c'est pas du sûr. Du moins, je pense. Parce que tu me dis, Alfredo, qu'ils vont sûrement mettre ça, 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 ça. Mais est-ce que c'est du sûr? C'est ça la question. Est-ce que ce ne serait pas juste pour, juste quelqu'un qui a donné une info comme ça et qui est merdique, quoi. Parce qu'on en connaît les gens qui donnent des infos et qu'au final, c'est pas les bonnes infos. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais prendre mon arme principale. Voilà. On va prendre la voiture, on va aller. On va aller. Donc. Là, après, là. Ah, je peux mettre qu'un seul repère. Je peux mettre qu'un seul repère. Donc les échos, c'est juste pour. C'est un peu comme les tours de réparation de The Hunter, Call of the Wild. C'est bon à savoir. Merci. Alfredo qui sera mon. On va explorer toute la région pour voir tous les types d'animaux qu'on peut trouver dans cette zone-là. Et après on passera sur une autre région de la zone. C'est les oiseaux. Oh, attendez. Pourquoi un perso veut pas prendre son arme? Ah, du coup, ça m'a niqué tout? Non, là. Ok. Ça, c'est bon à savoir, ça. C'est quoi le truc jaune? Ah, parce que là on a un truc violet et tout ça. Oh oui. Oh oui, je lui ai fait mal, hein. Je lui ai fait mal. Le faisan de Colchide. Trophée. Ouais, ça va. J'ai un trophée de quoi? De une étoile. On va le vendre. Prélever 3 kilos de viande de faisan. Ah!
Bah, de toute façon, faut que je le fasse. Chaque animal possède une valeur de condition physique qui influence taille des trophées de l'animal. Prenez cette information en compte car vous pouvez modifier la condition physique moyenne d'un habitat en chassant des mâles avec une faible, je sais pas quoi. Je galère à les shooter, hein, les faisans. C'est le temps que je prenne tout en main. En vrai, si, y a moyen que. Je sais pas c'est quoi le truc violet, les gens. Peut-être vous saurez me dire. Et ça fait un trait violet. Comme si. C'est peut-être l'odeur, je sais pas. Peut-être mon odeur, sûrement. Ouais, c'est peut-être l'odeur en vrai. Je sais pas c'est quoi en vrai ce truc là, mais ouais. Je pense pas l'avoir touché honnêtement. Je galère à les toucher. Juste m'accroupir, on va voir. Est-ce que je vais Yes, pas de soucis, Harry. Et merci à tous les lurkers d'ailleurs. Merci à vous tous. Pam 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 pam. En fait, là où ils sont, c'est un peu galère. Voilà. Fallait pas fuir. Oh oui. Voilà, reçu tous les plombs dans la gueule. Faisons de colchide encore. À vendre. On a 2,6 kilos sur 3. Non plus qu'à tuer en faisant. Je vais avoir le dernier kilo qui me manque. Vous avez revendiqué quoi? J'ai pas vu le truc qu'ils m'ont dit là. Euh, 400 grammes manquant. Ouais, c'est ça, 400 grammes. J'ai pas vu, il y avait un truc marqué revendiqué tout ça. Ratio mâle femelle. Vous pouvez altérer le ratio mâle femelle en chassant des femelles. Si des femelles sont dans la nature, le rapport sera déséquilibré et moins d'animaux peupleront l'habitat. Sinon, si vous ne chassez que des mâles, plus d'animaux peupleront l'habitat. D'accord. Comment savoir? C'est
de contrat pour les propriétaires. Les zones privées abritent des animaux qui possèdent la condition physique la plus élevée et la meilleure qualité de trophée. Ah, c'est bon à savoir. Honnêtement, c'est bon à savoir au niveau de ça. Le truc qui change de The Hunter of the Wild, c'est que je peux pas tirer sans viser. Genre là, vous voyez, je peux pas tirer. Je dois appuyer, ça marche pas. Je peux pas monter dessus? J'aurais aimé monter sur la voiture pour avoir une meilleure vue. Bon, en soi, c'est pas grave. En soi, on va juste. Sexe mâle, comportement calme. Ouais, mais je sais pas en fait. Le truc qu'il y avait sur The Hunter, c'est que vous pouvez voir carrément le bruit qu'on faisait, tout ça. Donc je sais pas comment ça se passe. Pour ça. Pas vraiment voir le bruit qu'on fait en fait. Parce que, ouais, il est là-dedans là. Je crois que j'ai touché, non? Ouais, c'est un problème parce que je sais pas si j'ai touché. J'ai bien peur que non. Je n'ai bien peur que non. Distance à 100 mètres. C'est bon à savoir. Distance à 50 mètres. Ouais. Il est calme, on va essayer de l'approcher. Je galère à tuer des faisans. C'est fou. C'est vrai que sont. Je vous avoue que c'est un peu galère à tuer. Mais ouais, c'est bizarre que j'arrive pas à les tuer comme ça. J'ai envie de vous dire, ils volent tellement haut les trucs.
Bah, je pourrais faire la carabine. Mais je préfère chasser le petit gibier à ça. Il me dit qu'il y a un faisan ici. Pourquoi je le vois pas? Pourquoi je le vois pas alors sur... C'est bizarre que je le voie pas. Je devrais le voir. C'est vrai que là pour l'instant par rapport au contenu qu'il propose, je préfère The Hunter dans le sens où bah il n'y a pas beaucoup de choses. Mais comme je vous ai dit, c'est le temps que ça se mette en place. Ça m'a dit qu'il y avait un faisan ici, il n'y en a pas? Je l'ai eu? Apparemment. Bah écoutez, je l'ai eu. Ah oui, il est là. Et bah voilà, on l'a eu en plein vol. 327. Vendre. Voilà. Récupérer le courrier dans la boîte aux lettres. Voyage rapide. Donc là, on sait qu'on a du faisan par là-bas. I've already told you a million times, but I'll say it a trillion. Thank you so much for helping me with Bear Den Ranch. Restaurants always place their orders with me by email. I think you wrote down my email password when you visited me in hospital. I don't trust the postal. It was summer 2002, and 10-year-old River was about to spend his first holiday with his grandparents. River could feel the adventure and mischief in his young bones. Why has River never visited his grandparents before? Wow! Dad! Dad! What? Ask his father. There was a deer! Which one is a white butt? Mule deer or white-tailed deer? It has to be white-tailed, right? I don't know. Grandpa will know. Because my father-in-law knows everything. A few hours later, River was finally in Nez Perce Valley, and his joy was matched only by that of his grandparents. But not everyone shared their elation. Grandpa! I saw a deer! It was probably a white-tailed because he had a white butt. Mule deer also have white butts. How can you tell the difference? Wallace. Richard. I want to speak to you in private. River was amazed when he entered the lodge. The walls seemed bigger somehow, and the animals looked alive. Wait here. I've got something for you. But that summer, there was one thing River was forbidden to even think about. To be crystal clear, you were absolutely not allowed to let him anywhere near a gun or anything to do with hunting. Richard, that's impossible. This is a hunting lodge after all. You know what I mean. Will you help me finish it? Days went by, and River couldn't get enough of nature. He already felt it was his best summer yet, but it was about to get even better. That's how he met April and Noah. Hi, I'm River.
always have to be the animal? Because you're the youngest. Poor girl. Why? This is what hunters do, isn't it? No. Real hunters are ethical. They wouldn't make an animal suffer like this and not even retrieve it afterwards. River kept making the best memories he could that summer. He was also determined to find out more about his mother, as his father and grandfather never spoke of her. I didn't know my mother hunted too. Oh, you found the album. Why do we never talk about her? You'll have to ask your grandfather about that. But you can ask me anything else, sweetheart. But this secret had to wait for another day. Time flew by, and soon the summer was at an end. Wow! Try yelling something. Ahoy! On the last day, they made a new friend and named her Echo. En fait, on comprend mieux l'histoire. Ok, on va prendre la voiture. Oula, c'est pas écrit en anglais ça. C'est carrément les loges de trophées. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres missions disponibles du coup, hormis celle que je dois faire là? Bon, en fait, j'ai déjà fini l'émission. Mission que j'avais là. Est-ce que je peux m'acheter un viseur? C'est dans l'accessoire. Il coûte cher là, un viseur. Hein. Le QN 850. Ouais, j'en ai un pas cher. Mais je peux pas l'acheter. Je peux pas encore l'acheter. You've discovered Nez Perce Valley grassland habitat. Ah, attention, je connais pas la suite de la zone. Ah, en fait, ça nous dit les zones, c'est quoi, bois et tout ça. Déjà, les maps sont grandes en vrai. Hello, est-ce qu'on peut acheter des arcs ou pas du tout? Alors, bah déjà, bienvenue à toi, Martin77. Bienvenue à toi sur ce live de qualité. Et non, il n'y a pas d'arc pour le moment. Comme tu peux le voir en bas à gauche, on a la version 1.15.0.78117. Donc, le jeu est encore 1.15. Donc, c'est le temps qu'il fasse des mises à jour. Mais si tu veux, je peux te montrer ce qu'il y a dans l'armurerie pour te faire un avis. Parce qu'après, le problème, comme c'est des licences, ils sont obligés de faire avec les armes qui sont proposées, quoi. Je te montre ça vite fait dans l'armurerie, même pas dans la boutique. Alors là, tu as toutes les armes, donc tu as que deux catégories d'armes, tu as les carabines et les fusils de chasse. Donc les carabines pour tirer le gros gibier, tu as les trucs pour tirer le petit gibier. Mais je pense que par la suite, ils vont nous faire un système de plusieurs armes et tout ça. Parce que déjà, une mission, tu as besoin de les acheter, c'est tu retournes là et ça te ravitaille une mission. Chose que je trouve totalement con, mais on est obligé de faire avec. J'espère que par la suite ils mettront en sorte qu'on puisse acheter les munitions, parce que comme ça tu peux changer de munitions sur ton arme si tu as des munitions pénétrantes ou pas, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, tu as de la marque Ster, tu as une carabine, tu as le Stinger qui est je ne sais quoi, et après tu as ces armes là et en fait chaque arme a son propre calibre. En fait là tu as du 20G, tu as du 12G aussi, et tu as du 16G. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça.
Là, tu as du 22 LR, tu as du 30-30 Twin, tu as du 338 Lapuamag, tu as du 22 LR, enfin voilà, quoi, t'as plein de trucs comme ça qui font que du coup bah tu as beaucoup de choix. Après, le jeu est faible en contenu pour l'instant, mais faut attendre parce que là, déjà il y a beaucoup de trucs, faut attendre. En vrai je pense qu'il y a moyen d'attendre quelques mois, enfin ou même quelques jours ou quelques semaines, ça dépend de eux quand est-ce qu'ils vont faire une mise à jour. Mais oui, en soirée pour vous sur PC, sur console on l'a déjà. Là moi sur console j'ai depuis 15 heures. Donc depuis 15 ans, je suis en live dessus à découvrir le jeu avec vous. Mais ouais, il y a moyen d'avoir du contenu dessus, je pense. Et un système qu'on n'avait pas dans Under Cove the Wild, par exemple, pour vous qui avez joué à Under Cove the Wild, on n'a pas tout ça. Là, c'est des zones que tu peux acheter pour avoir des meilleurs animaux là-bas. Et le jeu est bien foutu. Il y a un système de plus tu tues de mâles, bah, plus t'auras d'animaux dans le troupeau. Mais tu es un gros joueur de The Hunter. Bah écoute, n'hésite pas à me suivre. Je joue beaucoup à The Hunter. Bon, en ce moment, je ne l'ai pas fait trop en stream. Je t'avoue, parce que j'ai ce jeu avec impatience. Mais oui, il m'arrive d'y jouer. Pas de faire du stream, parce que souvent que je fais du stream, c'est souvent du solo. Je fais les missions, tout ça, même s'il y a des missions buggées. Donc du coup, bah, pas intéressant pour les gens. Je fais beaucoup de. Excusez-moi, je viens de bailler. Je fais beaucoup de The Hunter, mais de mon côté. Sinon, en ce moment, je suis beaucoup sur No Man's Sky pour ceux qui seraient intéressés sur des jeux détente comme ça, comme celui-là. Je fais du No Man's Sky, bah, je fais du coup ce jeu-là. Mais il m'arrive de faire d'autres jeux, hein. Ça peut être du multi versus. Bonjour, est-ce qu'il y a un intérêt à jouer en multi? Les missions sont dispo en multi ou c'est comme The Hunter? Alors, bah, bienvenue à toi, Elora, tout d'abord. Et bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à vous présenter aussi, les amis, dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter. Alors, tout d'abord, Elora, je sais pas si elles sont disponibles en multi. J'ai pas testé. Si tu veux, je peux aller faire un tour. Mais je sais que tu as envie de faire certaines missions pour débloquer le multi et l'autre réserve. C'est une mission tuto. Je demande juste de chasser un ou deux animaux et c'est bon, quoi, c'est fini. Mais si vous voulez, on peut aller faire un tour en multi pour aller voir. On peut faire un tour en multi. Et comme ça. Alors, si ça veut bien accéder. Voilà. Déjà, on peut créer un serveur, créer son propre serveur déjà. Difficulté. Ah, on a quand même une difficulté. Ouais, c'est comme ça. On va activer le mode privé, juste pour faire le test. On va activer le mode privé et on va voir ça ensemble. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, du coup, bah forcément, je baille un peu. Et merci Laura pour le follow et bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans la fille Billy's Family. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Il y a un nouveau système de planning qui a été mis en place. Vous pourrez trouver notamment les jeux que je veux faire ensemble. Ça, c'est publié tous les dimanches dans la journée. Généralement, j'essaie de le faire dans la journée. C'est publié tous les dimanches du coup. Et comme ça, vous pouvez voir sur quel jeu je joue et tout ça. Et sur Discord, on est une bonne vingtaine. On commence à être beaucoup. Si vous voulez, je vous mets la commande vite fait. Comme ça vous évite d'aller chercher à droite à gauche. Tac. Je vous ai mis la commande. Je vous laisse rejoindre à volonté. Ça serait super cool sur Rolling Tools. Comme ça, on pourrait faire des petits événements sur certains jeux. Comme ce jeu-là, par exemple, des petits événements multijoueurs, même sur The Hunter Cove the Wild, il y a des systèmes de compétition dans le multi. Donc ça pourrait être cool. Alors, non, il n'y a pas de mission d'après ce que je vois. Il n'y a pas l'air d'y avoir de mission. Ouais, non, il n'y a pas de mission en multi, mon petit Elora. Ou mon petit Elora, je sais pas si c'était une fille ou un garçon. Donc désolé si j'écorche vos noms ou si je vous confonds et tout ça. Je suis vraiment navré. Et donc ouais non, il n'y a pas de mission en multijoueur alors. C'est comme Hunter Cove the Wild, il n'y a pas de mission. Je pense que ça fait exprès dans le sens où bah quand on va rajouter des maps, ce sera un peu le même système que Hunter Cove the Wild. Pas de soucis Laura, il n'y a pas de soucis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des. Même n'hésitez pas à me poser des questions sur. N'hésitez
N'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat, ou même sur le Discord, vous pouvez vous présenter, il y a un canal pour ça, présentation. Il y a aussi un canal pour, c'est par exemple, si jamais vous avez des trucs à montrer, vous pouvez, sur le Discord. Il y a tout ce qui est... Et merci Corsi Game pour le follow, bienvenue à toi dans la famille. Checkez ça les amis pour les follow, je suis content de vous avoir parmi moi, parmi la Vinis Family, bienvenue à vous tous, j'espère que vous plairez ce live de Carly Tay. N'hésitez pas tout d'abord à rejoindre les Discord pour ceux qui seraient intéressés, ça ferait une petite augmentation de la famille et pourquoi pas organiser des petits événements entre nous, ça peut être cool, des petits concours que je pourrais organiser avec des cash prizes à gagner. Par exemple pour être des concours du genre celui qui fait le meilleur trophée sur The Hunter of the Wild et je vous donne un truc au choix, ça peut être je sais pas, un petit cadeau comme ça, ce sera toujours à voir, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous y verrez aussi sur d'autres jeux, vous me verrez aussi sur d'autres jeux, beaucoup de jeux, et notamment vous pourrez toujours proposer des jeux à stream, ça n'est pas de souci, vous pourrez toujours en proposer et après moi je validerai ou pas selon vos propositions. Mais du coup, ils peuvent me présenter à vous tous. Moi, c'est Billy Boy. Je stream beaucoup de jeux de simulation, de gestion. Parce que je kiffe ça. Sur ma chaîne YouTube, il y a un let's play sur Crusader Kings 3. Si vous connaissez pas, vous serez content d'aller voir. Et oui, du coup, je stream depuis 3 ans maintenant, à peu près. Et donc du coup je suis ravi de vous faire découvrir ce jeu là qui vient de sortir aujourd'hui à 15h pour nous sur PS5. Xbox je sais pas à quelle heure et PC je sais que c'est pas maintenant que vous l'avez. Malheureusement pour vous c'est quand même un peu con. Mais en tout cas je suis ravi de vous accueillir au sein de ce stream. Et n'hésitez pas à vous installer avec un petit café et des gâteaux si ce n'est pas déjà fait les amis. Et donc du coup on va juste continuer la partie. Donc du coup, ouais, faut que je fasse... quand je sors, je fais gauche, droite, gauche. Rendez-vous préféré, on se trouve souvent Hollywood. Sur Steam, marqué jeu de film dans 2 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, vous l'aurez... 18h, 19h à peu près. C'est quand même un peu con d'ailleurs que vous l'avez plus tard que nous. Alors moi que après c'est peut-être parce que Sony a un partenariat avec eux et que du coup c'est fait que j'ai sort en avance sur replay. Peut-être que sur console, on sait pas. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. C'est vous sur ça, j'ai pas d'infos. Oh, attendez, si je l'écrase l'animal. Bon bah de toute façon il s'est envolé. Après vous inquiétez pas, pour ceux qui jouent à Hunter of the Wild qui aimeraient bien voir des gameplays. Je continue à y jouer. Si vous voulez, vous pourrez proposer un live dessus. Et moi, je le programmerai un jour où je dois programmer un jeu. Et je mettrai carrément The Dark of the Wild. Il y a moyen. Vous pouvez trouver la piste d'animal en observant l'herbe et en repérant les traces laissées pour les empreintes. Seuls les gros gibiers herbivores laissent des pistes visibles dans l'herbe. D'accord. C'est bon à savoir. C'est un animal là-bas. Je sais pas si c'est un animal ou un buisson. Je pense plus un buisson, mais... Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est un buisson. Pas d'animaux ici. En fait, l'instinct de chasseur, il est hyper cool. Du coup, ça t'oblige à le jouer, en fait. Parce que c'est comme ça que tu repères les mecs. Ça bon c'est le point fort aussi, ça le chasseur de ça. Bon après pour pister tout ça c'est pas comme The Dark of the Wild. Après The Dark of the Wild c'est beaucoup excusez-moi de bailler. The Dark of the Wild c'est beaucoup de simplicité en fait dans le jeu. Dans le sens où tu vas pister, ça te met un cône dans la direction où il est parti, enfin n'importe quoi. Il y a plein de trucs comme ça quoi. Mais en soi, c'est assez cool.
Alors après, on peut se repérer par rapport à ta gestion dans quelle direction elles partent. C'est ça qui est cool. An animal path. If I follow it, we'll always find signs of animals. Avec ton retard, je sais pas ce que tu voulais dire avant, parce que t'as marqué CE avec un astérisque. T'as peut-être voulu marquer un truc. Faut que je trouve la piste d'animal. C'est la piste d'animal. D'accord. Ok, donc j'étais dessus. Là, je trouve qu'il est un peu plus facile à jouer. Que The Talk of the Wild. Now I know they drink here. Sermulé. Retourner au gîte. Bah écoute, on va y retourner, hein. On n'a pas trop le choix. Attendez, il y a un point d'interrogation. Ah bah oui, c'est la tour. Ça vous mèneront à des traces dynamiques comme des déjections qui vous mèneront à leur tour à des zones de passage. Une fois ces zones repérées, vous aurez une vue d'ensemble du territoire d'animal que vous traquez. C'est bon à savoir aussi. Il y a plein de trucs qui fait que le jeu a des points forts en fait. Rien que la traque et tout ça, c'est beaucoup. Après, c'est vraiment, je pense que le jeu est vraiment pensé pour ceux qui aiment chasser comme dans la vraie vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport au fait de. De devoir faire l'instinct, de devoir bien regarder tout ça. Tac, on n'a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. En fait, c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas d'animaux. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être au tout début de la zone qui fait ça. Ou si c'est le jeu qui fait qu'il n'y a pas d'animaux, en fait. C'est ça la question que je me pose. Parce qu'on est que dans la première zone pour l'instant. Là, comme vous voyez, on est que dans la première région, on va essayer d'explorer à fond pour essayer de trouver des zones d'animaux de ça. Et ça lui dirais-tu qu'il ressemble à The Hunter où il y a des différences quand même? Alors, bah, bienvenue à toi Lisa d'ailleurs, sur le live, bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, il y a beaucoup de similarités, mais le jeu est plus poussé dans le sens de la traque et des armes. Alors, parce que c'est des licences. Et les animaux sont plus réactifs. Enfin, il y a le système de, il est complexe à comprendre, mais une fois que tu as compris, tu as la main dessus, c'est beaucoup plus simple. Notamment dans le sens où en fait, faut traquer un animal plusieurs fois, faut repérer plusieurs traces, par exemple, tout ça, pour connaître l'animal, ses besoins, tout ça. Chose qu'il n'y a pas sur The Dark World où tu sais dire le truc, tu repasses une de passage assez facilement. Mais les deux jeux se valent en vrai. Lui, je pense qu'il pourrait lui apporter concurrence quand le jeu commencera à avoir plus de contenu et tout ça. Je pense qu'il y aura un système de concurrence où là, The Hunter of the Wild, ils pourront avoir peur quoi. Mais bon, après, on n'est pas là pour parler de concurrence honnêtement. Les deux jeux se valent honnêtement, voilà. Alors, au niveau du multi, j'ai pas essayé de multi. On allait voir tout à l'heure vite fait pour voir si l'émission comme notre cher collègue avait demandé s'il y avait un système de mission. C'est quoi ça? Ah mais mince. Je suis pas allé là où je voulais. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses qui font que le jeu pour toi il va durer dans le temps, on va vite s'embêter. Alors je pense au niveau du multi,
Je te réponds juste après, Alex. Je réponds juste à Elisa. Je pense pour multi, c'est faire comme The Call of the Wild. Tu pourras faire les maps en multi, même si tu les as pas. T'auras juste pas accès aux missions en fait. Parce que The Call of the Wild, c'est ça. Hein. Tu peux faire les maps en multi, mais t'as pas accès aux maps solo pour faire les missions. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Ils vont peut-être copier sur ça. Rushing River Pass. Et du coup, Alex, pour toi, il va durer dans le temps où on va vite s'embêter. Alors honnêtement, pour l'instant, je m'embête pas. Hunter Call of the Wild, au début du jeu, j'avais un peu tendance à m'embêter parce que je connaissais pas trop le jeu. Là, c'est vrai que je commence à l'apprendre le jeu, donc c'est vrai que on se dit, ouais, mais le jeu est bien, mais je m'emmerde parce que je trouve pas les animaux, parce que j'arrive pas à faire cette mission. Voilà, tu vois. Je suis qu'au début du jeu. Je vous l'avoue, j'ai commencé même pas une heure. Je suis qu'au début. Donc je découvre comme vous, je découvre les armes, je découvre un peu la mécanique du jeu. J'ai pas l'air d'embêté, j'apprécie énormément de découvrir. Mais ouais, honnêtement, je pense que c'est moyen qu'on s'embête pas dessus. Alors, parce que sur The Hunter, le multi est bien, mais bon, il n'y a pas de réel objectif, quoi. C'est vrai. Bah après, sur le multi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait le système de mettre des compétitions de ça pour entre potes. Tu joues avec ton pote, tu mets une compétition de celui qui fait le meilleur JB. Et moi, je t'avoue qu'on est en multi avec mes collègues, on fait ça. Ça nous incite à nous créer des petits défis. Et notamment, pour ceux qui seraient intéressés, si vous revenez Discord, on pourrait faire des petits défis comme ça. Je lance une session multijoueur avec 5 joueurs, puisqu'on peut être que... Non, 7, parce qu'on peut être 8, je crois. Je fais une compétition. Moi, je participe pas. Je fais une compétition. Celui qui a le meilleur truc, c'est pas en bien égalité, ce sera celui qui aura atteint un banc. La fin du temps, celui qui atteint plus que tout le monde, bah il y aura une récompense à la clé. Ça peut être un DLC pour s'il l'a pas, c'est une récompense au choix avec un montant défini. Ça peut être plein de trucs. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'histoire pour ceux qui seraient intéressés. Il y a un système de planning aussi, et il y a plein de trucs qui sont mis en place sur Discord en ce moment. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je serais ravi de vous accueillir au sein de la Blaze Family. Et de vous présenter un peu toute la petite famille. Et vous avez plein de canaux dans le Discord. Vous avez un canal où vous pouvez publier vos petits clips à vous sur certains jeux. Vous pouvez vous présenter. Je ne joue plus à The Hunter personnellement. Bah écoute, ouais, c'est vrai que là récemment ils ont mis une nouvelle map. Récemment, le jeu est cool, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour du jeu, quoi. Une fois que tu as fait comment dire. Une fois que tu as exploré une map entière, t'as plus d'intérêt d'y jouer, quoi. Hormis en multi, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, quoi. Il y a plus d'intérêt. Bon, j'ai vu qu'il y avait un sous-sol en dessous. Ça va être quoi en dessous, le sous-sol? En tout cas, ok. Je comprends, mais c'est quoi? C'est des cibles. Il n'y a pas de collectibles à récolter. C'est quand même dommage. Mais ouais, c'est vrai que oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. T'as tout fait raison, Lisa. Moi, par exemple, moi, je t'avoue que le jeu, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Du coup, je vais refaire toutes mes missions. Avant, je dois refaire toutes les missions. Je t'avoue que je suis encore sur la première réserve. Du début du jeu. Si vous voulez, on passera un peu de temps sur The Hunter. Je pourrais ouvrir une session multi, on pourra tout jouer tous ensemble. On pourra faire une petite game viewer comme ça. Ou même on pourra faire une game où on pourra carrément. Je pourrais carrément faire une session où vous me dites quelle réserve vous voulez que je fasse et on fait les missions et tout ça. Mais ouais, The Hunter, du coup, il me manque beaucoup de missions à faire. Je fais la première réserve, je t'avoue que la première réserve, je la kiffe. Je la fais à fond, je farm. Et je t'avoue que je me fixe des objectifs que je fais diamant, Great One. Je regarde, j'ai même l'application, je regarde s'il y a du Great One, ça. Alors, par contre, dans ce jeu-là, le système de trophée est différent. Parce que, tout simplement, je te montrerai ça, n'hésite pas à rester, je te montrerai ça quand je tuerai un animal. Je te ferai ça plus en détail. J'ai l'impression d'avoir compris, je sais pas si j'ai compris totalement. Donc, je vais pas vous induire en erreur. Mais je vous ferai ça en détail pour les trophées. C'est vrai que quand tu regardes, c'est plus cohérent. C'est quoi la mission? Au réveil, hein, dormez jusqu'au réveil du soleil ou réveillez-vous entre 6h et 9h.
je peux savoir l'heure qu'il est? Ah. Entre 6h et 9h. Se reposer. Et voilà. Rendez-vous sur le territoire d'Hollywood. Du coup, c'est là où... Combien tu as payé sur console de toi? Alors là, dans mes souvenirs, ça fait un mois que je l'ai pris déjà. Je crois que c'était 70 balles. J'ai pris une édition la plus chère avec les season pass pour avoir le contenu qui seront mis par la suite. Donc ouais, j'ai payé après 70 balles, je crois. Je veux pas te dire de conneries. Honnêtement, je suis pas déçu de mon achat. Je vous avoue que là, je suis pas déçu. Après oui, après, le problème c'est que... Je suis un gros pigeon, mais non. Mais non Lolo, je suis pas un gros pigeon. Faut pas dire ça. Je paye des jeux où je sais que je vais pouvoir rentabiliser. Et merci Géronimo pour le follow, bienvenue à toi dans la famille, check ça pour le follow. J'espère que vous allez vous plaire au sein de la BX Family, et gens, n'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je le dis souvent. Sorte de tous se rapprocher les uns des autres, et pourquoi pas, ben, des petits trucs. Je vous mets juste la commande Discord pour ceux qui le veulent. Parce que je sais pas, mon Wizbot, il est en train de déconner, il veut pas l'afficher lui-même, donc c'est quand même con. De bonne, en fait, quand il y a une personne qui follow, ça met rejoindre le Discord avec le lien, et vous pouvez rejoindre, quoi, mais... Là, je sais pas, il ne veut pas. Je me suis trompé de touche. Et donc, du coup, voilà. Alors, attendez, j'envoie juste un message. Tac. Hop, donc du coup, on va continuer la route, on va aller là-bas. Be quiet and slowly glass for Hollywood from the vantage point and hit the vitals from 100 meters. Exactly as Grandpa taught. Hollywood. Ah, c'est carrément un cerf. Et donc là, c'est par là. Ah oui, bon, par contre, ça va être long. Ça va être galère de le repérer. On va essayer de prendre les jumelles. Je sais pas si on peut le retrouver le leur cerf. Prélever Hollywood, le cerf mulet à bois difforme. On va essayer de le prélever. Et comme ça, bah, ça me permettra de t'expliquer le système de trophées pour les animaux. Parce que je pense l'avoir compris, mais je suis pas sûr à 100%. Du coup, je vais pas dire de conneries. Donc après, si je me trompe, vous pouvez toujours me corriger, y a pas de souci sur ça. Y avait une tour de chasse pas loin. That's Hollywood. C'est Hollywood ça? On va essayer de la voir. Voilà, il est beaucoup trop loin, 300 mètres. C'est vrai que j'ai pas un bon viseur. 300 mètres, on va augmenter le point zéro. J'ai touché. Je l'ai touché. Ça, c'est bon à savoir. Si j'ai touché. Je l'ai touché. C'est parfait, ça. On touche le petit cerf. Cerf mulet, pardon. C'est vrai, par contre, il y a des trucs qu'on trouve pas dans Hunter Cause of Wild, par exemple. Tu as le comment ça s'appelle? Je l'ai fait en plus.
Le petit truc là, bizarre là. Le blaireau, voilà. Et on a tué un blaireau juste avant. Bah là, du cermulet du coup qu'on n'a pas dans The Talk of the Wild. Mais après, c'est vrai, niveau contenu, on peut pas comparer les deux. Parce que The Talk of the Wild est arrivé bien. Il y a bien longtemps. Je sais pas c'est quoi, c'est un rocher ou c'est juste un animal mort. Ou pas mort, je sais pas. J'aurais dû mettre un pline parce que du coup, en fait, ça va, je sais dans quelle direction faut aller, mais je sais pas s'il sera là le corps. Déjà, ça là, le truc violet. Je sais pas c'est quoi autour de moi. C'est peut-être l'odeur que je dégage. Mais ce qui me paraît très bizarre parce que ça me ferait un gros truc autour, je pense. Je sais pas où est-ce qu'il serait l'animal. Est-ce qu'il serait par là? En tout cas, j'ai touché, c'est sûr, parce que j'ai vu du sang sortir. Que j'ai tiré. Ah, bah attendez. Oui, c'est son odeur. Faut attention au sens du vent. Ouais, je sais le sens du vent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas comme The Hunter Cows Wild où c'est détaillé en mode si tu mets un cône, tout ça, faut utiliser la peau, tout ça. C'est pas détaillé comme ça. Donc, forcément, c'est pas. Ça fait un peu bizarre. Et voilà. J'ai tiré, je ne sais pas où il était. J'ai oublié de ping. De ping, du coup je peux pas savoir où est-ce que c'était. C'est vrai que le jeu ne t'indique pas par où t'as tiré en fait. Alors là, moi j'étais là-bas. Donc théoriquement, le corps, quand je l'ai tiré, était par là. Ah voilà. On a la trace. Petite quantité de sang, couleur de sang rouge, impureté nette. Donc du coup, dans mes souvenirs, il est parti par là. Dans mes souvenirs, il est parti par là, le cerf. C'est vrai que niveau track, faut vraiment être attentif. Parce que là, je traque un animal, mais je sais pas par où il est parti, parce que je trouve pas d'autres taches de sang. Sauf que là, le tache de sang. Ah si, par là. Non, y a pas de souci si tu spoil, y a pas de souci. C'est, j'accepte les conseils, y a pas de souci. Donc du coup, parce que sur l'instinct de chasseur, ouais, ça me dit la tache de sang, je la découvre. Mais après, faut pas faire dans ce sens-là, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est parti dans ce sens-là. En vrai, faut que je mette de la tache de sang dans quelle direction à part. C'est ce qui va m'aider. Sauf que bah là, j'ai perdu la tache de sang. Bah, j'ai perdu les taches de sang. Non, bah non, c'est. Là, c'est un de leurs coco. Ah. Après, c'est parti par là. Après. Là. Je vous avoue que là, je ne sais pas où est-ce que c'est. La tache de sang m'indiquait par là, mais je trouve pas d'autres taches. Du coup, je vous avoue que ça me pose une colle là. Salut, ça va? Et le jeu est en multi ou pas? Bah écoute, bienvenue à toi, Bibinouz. Et merci d'être passé.
Oui, il y a du multi sur le jeu. Faut juste que tu fasses les missions de tuto. C'est deux trois missions, elle est assez rapide, en 30 minutes c'est fait. Faut juste que tu fasses mission en tuto et tu as le mode multi qui s'active avec les autres réserves. Tu as tout qui est débloqué, tu peux explorer à volonté. Mais tu n'as pas les missions en mode multi, évidemment. Alors du coup, je trouverais pas. Je vous que je suis perdu là. Alors avec l'ancien. Alors non, il n'y a pas d'ancien. C'est pas les mêmes développeurs, c'est pas les mêmes trucs. C'est un autre jeu. Honnêtement, moi qui suis fan de Outer Call of the Wild, je passerai encore beaucoup de temps dessus. C'est Outer Call of the Wild. Parce que bah lui encore pour la sortie. Oui, non, t'inquiète, je t'ai compris. Mais oui, du coup, pour la sortie, il est bien, mais il manque encore des choses. Il n'y a pas beaucoup d'armes, il n'y a pas beaucoup de. Après, il faut se dire que c'est des licences aussi, donc forcément c'est pas facile s'ils ont des licences, c'est pas facile pour eux de sortir des trucs. Mais déjà, niveau réalisme, le jeu est bien poussé. Parce que là, comme tu peux le voir, je galère à traquer un animal. Chose que dans Outer Call of the Wild, c'est facile à traquer. Là, par exemple, je vois pas où est la tache de sang. J'ai tiré animal, mais tache de sang, je la trouve pas. Donc du coup, je vous avoue que là, je suis perdu. Bah de rien, de rien. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et n'hésite pas à rester si jamais tu le souhaites, à voir un peu le jeu, à poser des questions si jamais tu le souhaites. Ça fera un plaisir de te montrer ou de te répondre à ces questions. Après là, ça me pose une colle là. Je vous avoue que je trouve pas tache de sang. Là, il y a le caca. Là, il y a la tache de sang, logiquement. Quelque part par là. Là, on a la tache de sang, voilà. Et donc là, on a l'animal qui est parti par là, d'après ce que je comprends. Ah mais non, c'est pas le même animal qui est parti, je pense. Ah bah oui, c'est pas le même. Puisque lui, ça c'est un autre. Moi, celui que je veux, il y a du sang, faut que je trouve la tache de sang. Bah attendez. Zone de repos. Vous savez, celui que j'ai tiré, il était couché, non? Je ne m'en rappelle plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va aller dans une tour pas loin. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Mais j'ai pas réussi à. Pas moyen de le trouver. On va voir comment ça se passe. Parce qu'il y a rien qui t'a dit quand l'animal est mort en fait. C'est ça le problème. Rien qui t'indique, du coup tu peux pas savoir si tu l'as tué, si tu as. Enfin, tu peux savoir si tu as touché puisque tu vois le sang gicler. Mais pas moyen de savoir si. S'il est mort, s'il est vivant. C'est vous qui a rien qui nous indique. Par rapport à Outer Call of the Wild où il y a une zone violette. L'aide qui apparaît. C'est des loups ça? Ah! C'est un peu galère, je vous l'avoue. En même temps, j'étais sur 300 mètres.
C'est pour ça que j'ai un peu galéré. On va essayer de le retrouver, ce petit. En vrai, je sais pas si les loups ils vont m'attaquer. C'est ça la question que je me pose. Parce que, ok, ouais, j'ai tiré un loup, mais est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ce serait con qu'ils m'attaquent. Surtout maintenant. Je suis pas. Petite quantité de sang. Vu que je sais pas si je l'ai tué en vrai. Là où j'ai vu la trace. Là. Là aussi je l'ai vu. En fait, c'est l'aliment jaune, c'est l'animal que tu traques. Quand t'es en mode instant. Je suppose qu'il faut remonter encore. Et c'est ça, fallait remonter. Je prends le fusil au cas où s'il y a encore du loup qui m'attaque. Je vous avoue, je ne pensais pas avoir du loup maintenant. Là. La tache de sang continue par là. Par là aussi. Bon, après, je suppose que ça continue tout droit. Ça a pas l'air de continuer ici. En vrai, je n'arrive pas à savoir. C'est vrai que c'est galère à prendre en main le système de track. C'est un peu galère, ouais. Du coup, j'arrive pas à savoir s'il est mort de ça. Je vous avoue que là je suis un peu en PLS quand je fais ce système de track. En fait, étant habitué à The Hunter Cave the Wild, ça me fait un peu. C'est un peu bizarre. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est temps de prendre en main. Hein. C'est temps de bien comprendre, de bien maîtriser la chose. J'ai l'impression qu'il y avait un animal à côté qui se baladait. Mais ouais, il y a moyen de. En vrai, il y a moyen de faire des bonnes sessions de multijoueur dessus. Après, multijoueur, est-ce qu'on peut mettre des petites compétitions comme les autres dans Talk of the Wild, tout ça, tu vois? C'est la question que je me pose. Mal Hollywood. C'est Hollywood. Faut que j'aille chercher. Effrayé. Ah, oh, il est effrayé. Ah, faire mon boucan. Tu m'étonnes qu'il est effrayé. Ils sont partis là-bas.
Ils sont partis là-bas. Oh, bah, je vois qu'il y a une tour de chasse. On va attendre là-bas. On va voir en vrai. Déjà, on sait qu'on l'a pas tué parce qu'il a, il réapparaît en mode Hollywood. Donc ça, on sait qu'on l'a pas tué. Sinon, ça nous dirait... c'est un simulé, tout ça. Sauf que ça, ça nous dit Hollywood. Et celui qu'on doit tuer. C'est quand même con, d'ailleurs, qu'on n'ait pas réussi à le tuer. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est... Le jeu a tout pour plaire. Ça, c'est sûr. Mais faut aimer vraiment la simulation hard. Parce que c'est au moins du hard. La traque, on n'est pas habitué. Traque comme ça dans les jeux de chasse. Voilà quoi, faut... Faut vraiment être habitué à devoir traquer un animal par rapport à ça, voilà. Parce que j'ai pas d'appo pour l'animal, donc... En vrai, on va attendre, je pense. Ah, mais c'est il y a une zone de passage là. J'ai pris des dégâts. Hein. Voilà, nouvelle découverte. Une zone de passage. On va attendre. On demande de voir s'ils nous font revenir les... Et salut, love you, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? J'avoue que là, je me pose une colle au niveau de la traque. Hein. Je ne sais pas si ce soit aussi difficile. Il est 8h15 dans le jeu. Ouais, t'inquiète, c'est juste que je dis, comme je dis le pseudo, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous appelle par vos pseudos, c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous aussi. Parce qu'imaginez, vous êtes plusieurs à vous appeler du même prénom, ça va être un peu galère pour vous, quoi. Et pour moi aussi. On va être obligé d'attendre du coup que l'animal se montre. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si c'est comme The Dark of the Wild où l'animal tu peux se balader devant toi sans te voir. Bah, écoute, j'ai fait quoi? Je chasse sur ce nouveau jeu de chasse que je découvre. Pour la première fois. En live. Du coup, bah voilà, voilà. Je devrais... Logiquement, si tout se passe bien, il devrait revenir. Je dis bien si tout se passe bien. Sauf que bah pour l'instant, ouais, j'ai pas... Ah bah attendez, levier à verrou. À bascule, ok. D'accord, je suis en train de parler avec ton pote qui bouffe tout le temps. Ah bah ça. Passe la vie à parler, passe la vie à bouffer. C'est juste un bridou comme j'appelle. Là, je sais pas ce qu'il faut, on l'entend plus. C'est ça que je voulais voir en fait. Ah, sur la carte, il n'y a rien qui nous indique si on a tué ou pas.
Là, j'ai un petit attention, mais je pense que j'ai dû recevoir un mail dans le jeu pour me dire, genre en mode, y a un truc, viens, viens ouvrir ton PC. Encyclopédie animaux. Cernulet. Déjà, on croit qu'il se met à faire des siennes. Ouais, non, il n'y a pas encore de. Hollywood n'est pas encore là. Hollywood, montre-toi! Maintenant, les amis, on va aller se balader un peu partout. Hein. On va sur le téléphone et on se balade. Non, pour ceux qui sont encore là, si vous voulez, après on peut changer de jeu si jamais ça vous intéresse. En soi, moi ça me dérange pas. Même si j'ai bien envie de rester sur celui-là. Tout dépend de vos choix. Bon, on a mis le programme de la semaine à jour, les gens. Ce sera publié sur le Discord. Donc voilà. Faut le trouver ce cerf spécial. J'avais un truc dans l'œil. Bon, c'est vrai que au niveau de la quête, c'est un peu galère. On va se TP. Et on va voir comment ça se passe. On va essayer d'y retourner. Ok, c'est mon nombre qui était un peu, je trouve un peu bizarre. Ouais, je m'achète un nouveau viseur en fait. C'est vrai que celui-là, il est pas ouf, ouf. Boutique, équipement, accessoires. Je peux m'acheter celui-là, mais c'est moins puissant. Il y a lui, ouais, il coûte cher aussi. Sinon, je peux enlever ça et je mets ça. Ouais, y a moyen. On va aller tuer du petit gibier. Qui se trouve juste derrière.
C'est du blaireau. Du blaireau, du blaireau. Personnage. Inventaire. Ah bah oui, je peux pas modifier inventaire. C'est ça le défaut, ça. Pas modifier inventaire à volonté, quoi. Obligé d'attendre d'avoir on va monter à l'échelle de la tour si j'en retrouve la tour. D'accord, bah j'ai eu un trophée, c'est cool ça. Allez là, la tour. Elle est tellement bien camouflée que même moi je l'ai pas vue. Ça va se passer comment? Les blaireaux, vous allez vous montrer. Moi, je vais vous tirer dessus. C'est un bon échange de procédés, non? Ah, mais attendez, ça veut dire que du coup, on a fini une. Ah non, c'est faux, il faut marcher 15 km jusqu'à 9. Je suis qu'à 9 pour l'instant. Ouais. Faut vraiment que je m'achète un nouveau. Attendez, là, je vois un truc intéressant. Aïe. Si je m'amuse à manger les trucs, forcément, je vais mourir au bout d'un moment. Mais ce qu'on peut faire, on peut aller là-bas, c'est d'aller tuer du sarmulet. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que je retourne en voyage rapide là, je redors entre 6h et 9h, et je fais pareil que ce que j'avais fait. L'entrée, elle est là-bas. Tac, je refais. Entre. On va mettre 5h46. Voilà. Maintenant prêt pour la chasse. Bonjour à tous, petite question toute bête. Est-ce qu'on sait à quelle heure il sort le jeu, car sur Steam, toujours pas disponible. Je crois que c'est 18h ou 19h pour vous. Je crois. Je veux pas dire de conneries. Oups. Ça c'est cool ça, le klaxon. Du coup, on va dire on a pris un coup. Aïe. Bah, logiquement, le fait d'être en voiture, tout ça, ça me permet d'aller assez loin.
problème parce que j'ai peur d'alerter tous les animaux de la zone, mais je pense pas en soi. Comment ça, alors ça doit être 19h car il y a marqué encore 1h30 sur la page Steam, mais j'étais pas sûr pour ça. Ouais, c'est ça, bah c'est du coup dans 1h30 tu peux y jouer sur Steam. Ça doit être pour ça. Après, sur Play, on l'a depuis 15h, donc je pense que c'est le fait que. Je pense que c'est le temps que les plateformes concernées mettent et publient le jeu. Bon, on va essayer d'y aller en mode. On va attendre quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de cerf mulet, il n'y a pas le cerf que je veux. Ouais, je sais pas si on a toutes les fonctionnalités dès le début ou pas. Ou s'ils ont prévu de changer quelque chose. Parce que je vous avoue que là, c'est un peu... La track est un peu galère, même en vision en instinct de chasseur, c'est un peu galère de trouver les animaux quand ils se barrent. Parce que forcément, on n'a pas. C'est un animal, mais non, en fait, c'est pas un animal. Attends, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un animal en vrai. On va aller checker ça. 400 mètres, ouais, je pense pas, je l'ai pas tiré à 400 mètres. Tout à l'heure, quand je l'ai tiré, c'était vers là. Je pense pas que ce soit à 400 mètres. Non, je pense que c'est un animal. On va enlever le ping, et on verra après pire. On va laisser le ping là. Comme ça, hop. Ouais, mais c'est ça que j'aurais faire, mettre des pings à chaque fois que je trouve une tache de sang. Comme ça, je sais que c'est par là. Ah oui, en fait, c'est à ça que servent les pings. C'est moi qui est complètement bête. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure, j'arrive pas à l'enlever. Ça, c'est un buisson. C'est un buisson, Billy. Ce n'est pas un animal. Faut que j'arrive à le trouver, ce putain de d'Hollywood. Ça donne quoi la correspondance entre le jeu et le temps réel? Comment ça, la correspondance entre le jeu et le temps réel? Tu veux dire quoi par là? Euh...
Entre 1 heure et 2 heures dans le jeu et en réel? J'ai pas compris. Ah, le temps que l'aura passe, c'est ça que tu veux parler? Bah honnêtement, j'ai pas calculé en vrai. Et 5h58, bah là il est 6h27 par exemple. Je suis arrivé dans toi, t'es 5h58. Donc ouais, je pense c'est 6h27. Ça bouge pas. Ouais, je pense c'est 1 heure, ça doit faire une demi-heure dans le jeu, dans la vraie vie. Ou peut-être, je sais pas. Je t'avoue, je peux pas te dire. C'est vrai que là, par rapport à The Hunter Casual, on n'a pas un truc qui indique l'heure actuellement. On peut pas prendre le téléphone ou autre chose. En vrai, est-ce que j'irais pas plutôt chasser autre chose que ce Hollywood? C'est vrai que là, je trouve pas. Donc, je sais pas si. Si c'est fait exprès ou si c'est le jeu qui veut pas le faire spawn. Mais je le vois pas. Enfin, du moins, il a pas l'air d'être là. Je vous avoue que là, j'ai. Le jeu me pose un peu une colle. Le jeu me pose un peu une colle. Va sur le deuxième point. Ah ouais, l'autre tour. De toute façon, je crois qu'il n'y a que ici qu'on peut le chasser. Ouais, il n'y a que ici. Voilà, le tour, on va voir comment ça se passe. Bah bon, j'espère que bah j'ai pas fait foirer la quête. Ce serait con d'ailleurs. Quand même s'il est pas là parce que tout à l'heure c'est par là que là-bas il y a un corps donc je me demande enfin je sais pas si c'est un corps ou si c'est un juste un buisson ou un rocher même je pense que c'est un corps là-bas écroulé par terre donc je sais pas faut voir je trouve que comme c'est assez loin c'est galère à repérer. Ah non, c'est un corps ça. Je suis désolé, mais c'est un corps, non? Peut-être que je me trompe après, hein, mais. Non, c'est un rocher. Autant pour moi. Je suis trompé. On va arrêter de courir quand même au cas où. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il pourrait être ce petit animal. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. C'est un peu la merde. Ce petit cermulet. Où es-tu le cermulet? Montre-toi le cermulet. Un chasseur, j'avais pas trouvé s'il n'y a pas d'écrit et tout ça. On va monter à l'échelle, on va voir. Bon, non, voilà, il y a pas de cermulet ici.
pas moyen de le trouver là où il était tout à l'heure. Je trouve pas non plus. Après, j'ai envie de vous dire, la zone elle est énorme aussi. Hein. Donc il peut être par là, il peut être un peu plus loin. On va aller explorer un peu la zone. Je suis tombé. Heureusement que je suis pas mort. Ça m'aurait fait un peu chier d'ailleurs de mourir. Mais ouais, c'est... Putain, c'était juste là. Ils étaient juste là. Ils étaient juste là. Ils étaient juste là. Je me suis fait niquer. J'en ai marre. J'en ai marre, j'y arrive pas. Non, en vrai, faut que j'arrive à le... C'est-à-dire qu'il y a une zone de passage ici, alors. Bah oui. Là. Sermulé. Souvent. Nouveau. On va peut-être attendre ici, alors. Parce que apparemment, c'est souvent qu'ils viennent ici. On va attendre ici, on va voir. On va voir, on va attendre dans la tour parce que je te parie qu'ils vont revenir. Bon, cette question, c'est est-ce qu'ils vont revenir assez rapidement ou pas? J'espère qu'ils vont revenir rapidement. Pour l'instant, on n'a pas de cri d'animal et tout ça dans le coin. Donc faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Il n'y a qu'à zone de passage dans le coin, donc... J'aurais pouvoir trouver. Faut vraiment que ouais je le j'arrive à le traquer ce putain de cerminé. Hollywood, tu pouvais te montrer, ce serait hyper cool. Le jeu de lumière est bien fait en vrai. En vrai, le jeu de lumière il est cool. Il peut être archi cool. Je pense la map il y a plus que ça. C'est vrai qu'on est sur de la prairie et tout ça, bon c'est un peu la galère. De la prairie et de la forêt, du coup. En fait, il y a beaucoup de forêt, je vais vous dire. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça veut pas me trouver ce cernulé. En plus, ouais, le vent il part dans cette direction-là, donc forcément, on galère. Forcément qu'on va galérer pour le traquer, ce cerf. Je pense, les amis. On va couper le live là pour aujourd'hui. Parce que je t'avoue que là c'est en train de me prendre la tête à pas réussir à se le récupérer, se terminer. Pour que juste je le fasse en off.
Je le ferai peut-être en off. Sauf si par miracle il apparaît là d'un coup. Salut, tu penses quoi du coup de ce jeu? Et bah salut à toi Fourbio, j'espère que tu passes un bon mardi. Et qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah ce jeu est assez cool à faire. Même si pour moi, de mon avis, il manque un peu de contenu. Notamment au niveau des armes, il n'y en a pas beaucoup. Niveau munitions, tu peux pas choisir la munition que tu équipes sur ton arme. Voilà quoi, il y a plein de trucs comme ça. Mais le jeu est cool dans le sens où il y a niveau réalisme de chasse, c'est bien. Il est bien pensé pour ceux qui aiment chasser dans la vraie vie. Donc il pourrait facilement aimer. Mais le jeu est cool. Il y a beaucoup de points positifs que de points faibles. En points négatifs. Point positif, bah, c'est que le jeu est vraiment réaliste à 100%. Pour traquer un animal, faut se mettre en instinct, t'as pas de cône comme Hunter Casual World qui t'indique, tiens, les personnages, c'est la direction. Non, c'est vraiment, faut que tu te guides par rapport à ta tâche de sang. Après, point négatif, c'est vraiment, comme je t'ai dit, les munitions. Et le manque de contenu. Mais apparemment, ils devraient mettre deux maps, dans l'année. Et après, on attend de voir. Mais c'est vrai qu'il manque du contenu et c'est ce qu'on attend. Mais bon, on va attendre, hein, le jeu vient de sortir. Dans mes souvenirs, vous me direz si j'ai tort. Dans mes souvenirs, dans Hunter Call of the Wild, quand il est sorti, il n'y avait pas beaucoup d'armes. Il y avait, je crois, 4 ou 5 de chaque. Mais il n'y a pas de souci. Salut Passion Agriculture, comment ça va? Ah bah tiens, Passion Agriculture, si tu es quelqu'un qui aime l'agriculture, n'hésite pas à rester sur la chaîne. Je propose aussi du Farming Simulator de temps en temps. J'en fais de moins en moins parce que j'ai pas beaucoup de monde qui aime le jeu. Donc je suis vraiment vis-à-vis d'Agus des personnes. Et ça m'arrive de jouer à Farming Simulator 22. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux toujours rejoindre le Discord et être informé chaque fois que je fais un petit live sur ce jeu là. Bah écoute, moi ça va, on est sur Way of the Hunter, c'est-à-dire que Hunter Call of the Wild encore. On essaye de chasser, même si je vous avoue que comme le jeu je l'ai pas pris en main à 100%, bah c'est un peu galère de chasser. Mais donc du coup voilà. Je pense que Joe of Hunter, bah, comme je le disais au très cher collègue juste avant, le jeu est cool, le jeu est bien fait. Tout est superbe, les paysages sont beaux, les animaux sont bien détaillés, enfin, hormis quelques défauts, mais ça, c'est un jeu vient de sortir, sans qu'il fasse des patchs. Mais ce qui manque, c'est du contenu. Donc, du contenu, la possibilité de changer les munitions, parce que c'est vrai, on peut pas acheter de munitions, c'est vraiment, dans mon défi de munitions, là, on est à, là, j'ai que 30 balles. En gros, si je récupère une mission, faut que j'aille dans le gîte et que je récupère une mission dans le coffre. Donc du coup, manque de contenu, il n'y a pas beaucoup d'armes pour le début. On est, je crois, à 10 armes à peu près, au total. Et sinon, il est très réaliste au niveau de la traque des animaux. C'est pas comme The Dark World où t'es guidé, tu vois. Là, c'est vraiment, tu traques vraiment à ton instinct, quoi. Et tu vas dans le sens de la tâche de sang, mais c'est ce qu'il est dérivé en sur la gauche, sur la droite, et que du coup tu perds la tâche de sang. Enfin, c'est assez complexe la traque. Voilà ce que j'en pense, c'est très complexe. Ouais, c'est plus simulation du coup, plus simulation réaliste. Mais le jeu est cool à faire. Le jeu est cool à faire. En multi, je dis en single multi, en solo. Parce qu'il n'y avait personne. Pour tester un truc et tout ça. Et bah déjà en multi, tu peux faire des missions. Mais j'ai pas de sait si le multi était stable et tout ça. Salut, il n'y a pas d'apo comme sur The Hunter Call of the Wild. Si, il y a des apos. Faut les acheter, c'est tout. Je les ai achetés, je les ai pas achetés d'ailleurs. D'ailleurs, on va aller au gîte. La mission, on la fera plus tard. En vrai, avec tous les patchs, après, ça peut être bien. Oui, ça va être bien avec tous les patchs. En vrai, ça va être bien avec tous les patchs. Avec tes patchs, ça va être bien. Je vais te montrer les apos. J'ai pas ton pseudo en tête. Excuse-moi. La montagne, je vais te montrer les apos qu'on a dedans.
Tac, boutique, accès, équipement. Donc là, on a des appos à wapiti, appos à chevreuil, appos à cervidés. Je pense que c'est les mêmes trucs qui existent en vrai. Et salut, Pépé Fire Sky, comment ça va? On a un appos à serrer là. Je peux les acheter en vrai. Ben oui, mais c'est ça que j'aurais dû acheter. Ouais, bah, c'est ça que je vais acheter. On va l'acheter, ça. Ouais, tout est sous licence. Tout est sous licence. Ce que vous voyez là, c'est que des vrais trucs. Pouvez acheter des nouveaux appos dans une boutique. Ouais, ça, je sais. Ouais, sérieux, dans 1 heure, Elfredo, pour les joueurs PC. J'ai oublié d'appeler la voiture. Forcément. Forcément. Bah, du coup, ce sont les vraies armes, les vrais trucs. Moi, je vais voir la peau, comment ça se passe. Ah oui, c'est vraiment... Ah oui, ok, c'est vraiment comme les bah, attendez, là, en fait ça attire les femelles. Mais est-ce que je peux acheter un appo ça attire le chevreuil, ça, ouais, normal. Ça voit pitié, ouais, normal, hein. Ça attire les sarmulets. Ça attire le cervidé. Là, ça attire le cerf-élaphe. Ça attire le sanglier. Là, ouais, ok. Ça attire les canards. Ça attire les oies, ok. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Bienvenue à vous tous. Ça attire l'ours noir, le lièvre d'Europe, le loup gris, le renard roux, le blaireau d'Amérique. Et ça attire que l'élan. En vrai de vrai, bah, en vrai de vrai, on va continuer. Par contre, je vais juste appeler une voiture. Voilà, hop. Normalement, entre 6h et 9h. Parce que ça me disait tout à l'heure. Se reposer. Maintenant prêt pour la chasse. On est prêt les amis pour la chasse. Ouais, faut juste que j'arrive à le chasser ce putain de cerf. J'ai entendu un bruit, ça m'a déstabilisé. Le pom, pom, pom. Ça m'a déstabilisé, je vous l'avoue. Et donc demain, pour ceux qui voudraient savoir, demain nous sommes sur No Man's Sky. Donc je vous laisserai rejoindre sur Instant Gaming. Alors moi je ne commande pas sur Instant Gaming Reaper. Du coup, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe pour Instant Gaming. On sait, dans tous les cas, le jeu sur PC, vous l'avez pas tout de suite, vous l'avez à 19h. On aurait pu pouvoir passer par là. Mais je pense que, ouais, ça doit être comme tout le monde, ça va être 19h pour vous si vous commandez sur Instant Gaming. Je pense que c'est un système de genre les plateformes qui les publient, tout ça. Peut-être que Sony l'ont publié plus tôt que tout le monde, et donc du coup, c'est pour ça que par exemple, nous, joueurs PS5, on peut jouer avant vous. Je vous avoue que je galère un peu. Je vais pas vous mentir que là, je galère énormément.
entendu un klaxon chez moi, je me suis dit, je vais klaxonner. J'ai envie de klaxonner. On va voir si jamais on le trouve là, là. En fait, le problème, c'est que ça ne donne pas d'heure, en fait, pour l'animal. Ça ne dit pas entre telle heure et telle heure. C'est pas comme The Talk of the Wild, vous avez dit entre telle heure et telle heure, l'animal, il va se reposer, il va manger, tout ça. Donc c'est ça, en fait, qui est un peu galère. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on galère un peu à trouver ce Hollywood. Si, ils sont effrayés par la voiture, mais... Non, ça, juste à trouver un troupeau, j'attire et c'est bon, quoi. Et là, comme on peut le voir, il n'y en a pas pour l'instant de... animaux. Comme je suis en mode instinct, je les entends pas. Pour l'instant, on est tranquille. Il est que 6 heures, c'est l'heure où de base je devais me reposer. Maintenant, faut juste espérer que ça se pointe. Mais on va juste utiliser la peau, tant qu'on y est. Je peux le modifier apparemment. Ah, il y a le signe d'appo en bas à droite. Alors, c'est juste dépasser ma cam. Ouais, ça attire les femelles. Je sais pas, ça me dit que je peux modifier tout ça, mais... Je sais pas vraiment si ça les attire en vrai. Je sais que je peux le modifier, ça me dit à chaque fois, mais je comprends pas. Alors là, par contre, il y a une barre. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la barre en bas. C'est peut-être le temps qui fait effet, la peau. Ça me paraît très bizarre. Bah voilà. Analyse du bruit, c'est remulé. Ça arrive, ça arrive. Il est jeune, c'est remulé, mature. Alors, et là-bas en bas, il faut attendre. Ok, bah merci Marlin, c'est sympa de me l'avoir dit. Hello Draxlord, comment ça va? Bienvenue dans le live, checkez-moi ça pour votre venue. Est-ce que le Hollywood, ils vont me le montrer? Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Tout le monde me parle de sortie PC qui n'est pas maintenant. Ah, il est là. C'est lui. C'est lui, Hollywood. C'est lui, Hollywood.
Et j'en reviens pas, mais je lui mets une balle et il est mort direct. Je reviens pas. Je pensais pas le tuer direct. Honnêtement, je pensais pas le tuer direct. Eh ben merci. Si vous pouvez me clipper ça, les gars, ce serait cool. Hollywood est mort. Hollywood is dead. On va aller avec le véhicule au cas où, si on a besoin du véhicule pour aller sur un autre point. Parce que je vous j'ai fait me déla à pied. Oh mais il a pris cher. J'ai dû lui mettre une balle poumon ou cœur, je sais pas. Poumon ou cœur, c'est obligé. C'est méchant de tuer le premier bébé. Bah non, c'est la mission, c'est pas moi. C'est alors, il bouge parce que c'est le jeu qui veut qu'il bouge ou c'est un bug? Parce que c'est tellement réaliste à ce point-là. Je vais tirer où? Ouais, je vais toucher le les poumons, c'est ça. Ah ok, parce que ah ça a pris le tir d'avant aussi quand il était assis. Bah ouais, ça me l'a coté. Ouais, ça c'est cool ça à savoir. C'est la connerie sauvage qui l'a vraiment tué. C'est les nerfs, c'est superbement bien fait. Bah, c'est ça en fait que je me dis, est-ce que c'est les nerfs ou est-ce que c'est... Casson de trophée, 2 étoiles quand même. Hein. Instantané, 40 kilos. Ah, il vaut quand même 483. Je peux pas le vendre. Ah, je pense que je peux pas le vendre parce que c'est... Ah, c'est pour ça en fait. Je peux pas le vendre. Retourner au gîte. Ah oui, parce que je crois en fait dans le gîte d'une statue il y a la mer. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas de. Ah et voilà, c'est ça. Père d'Hollywood. Et Hollywood. Et voilà. Donc une mission active sélectionnée. Bah on va en sélectionner une. Non, c'est pas là. C'est là. Alors commande de viande. On accepte la mission. Swamps north of Bear Den Ranch were always full of wild ducks. Donc là, il me demande d'aller là où. Moi, je continue d'explorer en bas. Le mec, il a un gros jeu. Non, en vrai, je pense à continuer à explorer en bas. Vous voulez qu'on fasse quoi, le chat? On fait l'émission ou on continue d'explorer? C'est vous qui voyez. Ben, je pense qu'on va plus explorer en vrai. Moi j'ai envie d'explorer à fond. Je vais explorer à fond, de découvrir là le point d'interrogation, le point d'interrogation là aussi. Pour voir un peu ce qu'on a et descendre pourquoi pas ici. Ouais, il y a connexion météo, je disais. Ok, niveau compétences, je suis bien. On va lui mettre un viseur quand même. Ah si, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Boutique. Acheter un meilleur viseur. C'est 1500 le moins cher, plus puissant que celui que j'ai, que je peux acheter. En vrai, on va continuer à... On va continuer à explorer en bas. En vrai, on n'est pas obligé de faire la mission, donc ça va. Ça qui est bien, c'est que le jeu ne nous oblige pas à faire la mission, quoi. On la fera un peu plus tard, peut-être lors du prochain stream, on sait pas.
Et hop les, on va par là. Et là, on va par là. Ouais, c'est ça, c'est par là. Donc là, bah, on va continuer sur la route en fait. On va continuer sur la route. Ah ouais, ils sont. Attendez, si je les écrase, est-ce que ça les écrase? C'est la question que je me pose. Ça l'a vraiment écrasé. Mais est-ce que je gagne dessus des trucs? Juste tester un truc, c'est ça m'intrigue. Ah, on peut le vendre. On peut le vendre. Ça me donne de l'argent. Écoutez, ça me donne de l'argent. Je ne savais pas. Je savais pas que le fait d'écraser un animal, on pouvait le vendre pour gagner de l'argent. Non, mais c'est bien pensé parce qu'en fait, tu l'écrases, mais t'as pas de bonus. C'est vrai que ça sera un peu con, quoi, parce que. C'est que des femelles. Ah, j'ai que des femelles là-dedans. On a que des femelles. Ah, je l'ai raté. On a que des femelles, mais en soi, il y a moyen qu'on l'ait tuée. Je sais pas si elle est morte morte. On va voir. On va voir ça. J'ai oublié de ping encore. Du coup, je me suis fait niquer. C'est vrai que mon oubli de ping. Parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'il était quand je lui tirais dessus. Serait-il par là? Non. Serait-il par là? Non. Non. J'essaie de traquer un raton laveur. Enfin, un blaireau. Je sais même pas si je l'ai touché en vrai. En vrai, je l'ai même pas touché. J'avoue que c'est un peu galère de. Devoir tirer des ratons laveurs alors qu'ils sont. C'est ça, vive la manette. Après, on dit vive la manette, mais. Je vous avoue qu'on est bien content. En ce moment-là d'avoir une manette parce qu'on peut parce que voilà quoi j'ai pas d'argument bon le raton laveur il est où j'ai toujours un raton laveur ici il serait passé où
Je sais pas que j'ai raté un verre, je sais pas où il est passé. J'en ai eu un, je crois, en plus, hein. Faut que je fasse plus attention, en fait, quand je chasse, à bien pinguer tout ça. C'est vrai que je me fais beaucoup niquer comme ça, en fait. Je ping pas animal, et du coup, bah, ça fait que l'animal se barre et que du coup, je perds sa trace. Je pense que c'est pour ça que j'ai perdu la trace du raton laveur et du cerf. Du coup j'ai pas ping, du coup j'ai je sais pas où est-ce qu'il est exactement. C'est pas grave. On va continuer en voiture, on va voir. C'est faisant, c'est pas trop grave. Il y a une tâche de sens pour ça. Je me suis dit, ah, bah non, en fait, c'est pas ça. Je regarde autour s'il n'y a pas des animaux qui traînent parce qu'il y a moyen qu'il y en ait. À 1 km de ma position, on a un petit point d'interrogation. Je vais essayer de voir c'est quoi. Pam 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 pam. C'est qu'ils m'ont fait peur, ils ont spawn d'un coup. C'est trop tard maintenant. Ils m'ont fait peur, c'est horrible. Ok, nouvelle découverte. Alors là, faut faire tourner ici là. Mettre un point, comme ça je sais qu'il faut tourner. Le but c'est vraiment trouver tous les points d'interrogation de la zone. Comme ça je suis tranquille. Et après on peut partir sur la suite de la mission. Ah si, c'est par là. Mais oui, il y a un pont. Donc ouais, c'est bien par là. C'est bien par le pont. Alors, c'est un pont où la voiture peut passer ou pas? Non, elle passera pas. Bon, on va passer dans l'eau, on va essayer. Est-ce que ça va être un fail ou pas? Non, ça va pas être un fail. Ça va être même une réussite. La voiture, c'est passe-partout. J'ai perdu la route. Là.
Et du coup, on a ça. Je suis sur des nouvelles missions ajoutées. Privé 3. Non. Privé 5 sermulets de discussion physique inférieur à 40% vieux ou adulte. Mais moi, les amis, on va. Je vais stopper le live ici. Oui, je l'arrête plutôt que prévu, je suis désolé. Mais je vous avoue que là, j'ai un gros coup de barre, je commence à être fatigué. N'hésitez pas à tous me suivre pour ceux qui veulent ne manquer aucune actualité. Et à tous rejoindre le Discord. Demain, on se retrouve pour No Man's Sky comme prévu. Pour continuer notre petite aventure et fabriquer notre base, parce que c'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Et merci JetKamikaze pour le follow. Bienvenue à toi et bienvenue à toutes les 7 personnes qui nous ont rejoint d'ailleurs aujourd'hui. Vous êtes 7 à nous avoir rejoint et bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Je vous remercie de votre venue au sein de la Biz Family. Et ouais, du coup, je disais, on va se retrouver demain pour la suite de notre aventure sur No Man's Sky. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fini l'expédition. Du coup, j'ai toutes les récompenses. Et là, il me manque plus qu'à, sur ma partie principale, à m'installer, à trouver un petit coin pour moi et à faire ma base. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros follow sur la chaîne, à venir vous inscrire sur le Discord. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis voilà quoi. Demain, on se retrouve 16h30, logiquement 16h30 jusqu'à 21h ou 22h, je sais plus. Je crois que c'est jusqu'à 21h sur No Man's Sky pour notre petite aventure tranquillou. Et moi, du coup, les amis, je vais voir si on n'a pas quelqu'un à raid, tiens. Quelqu'un qui fait de la chasse, par exemple. Je regarde juste s'il y a quelqu'un qui fait... Non, là, j'ai personne... Je vais raid chez un ami à moi, chez un collègue. J'espère que vous allez accueillir avec beaucoup de cœur, les amis. Vous l'accueillez, vous envoyez plein de cœur, j'espère. Et montrez votre plus gros soutien. Ça va être notre cher Poulpo. Je veux juste que j'aille paramétrer le raid. Tac, il est là. Alors bon, il stream pas le même jeu que nous, pas que je stream, mais j'ai envie de vous faire le découvrir, Un streamer assez cool. Donc hop, je programme le raid. Dès que c'est bon, je le lancerai. Et... Salut Jackie. Alors désolé Jackie, t'arrives au mauvais moment du stream. C'est le moment où on va couper les lives. Mais comment j'ai eu le jeu? Bah sûrement parce que je suis sur PS5 et que sur PS5 on l'a eu à 15h. Donc du coup voilà. Et vous l'avez à 19h je crois sur PC. Mais du coup Jackie t'as vraiment un moment là, j'allais raid un ami. Parce que le stream il allait se couper là pour moi parce que je me sens fatigué. Et yes, pas de soucis, merci à toi Jackie. Merci de se passer. Allez les amis, du coup je vous dis tous ciao bye bye et puis bah merci encore de l'immense soutien que vous m'avez apporté. Et je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Même pour tout le monde, j'espère que vous serez tous là. N'hésitez pas à follow à max la chaîne, à rejoindre le Discord. D'ailleurs, avec mon deuxième téléphone, je vais vous mettre le Discord directement. Ça vous évite d'avoir à chercher. Tac, je vous ai mis le Discord. Je vais rejoindre un maximum de Discord. Et genre un maximum de gros cœur à Poulpo dès que le raid est lancé.
Allez, je vous dis ciao, bye bye les amis. On peut prendre notre largage en plus.